Et on enregistre. Salut tout le monde, bienvenue dans ce bas le casque, épisode 155. 155! Comment vous allez, gang? Un petit peu hangover? Pas bien. Ça va? Non. Ah, oh, ça se passe. On va, comme dirait OSS 117, ça va comme un lundi. C'est bon, hein, Chris. Ils vont faire un 3, ça a l'air. Ah oui? Ah ouais. Ouais. Blague. L'espèce de. Ça, c'est Brice Denis. Ah oui. Ouais, non, ouais, c'est ça. Jardin, c'est... hein, right? Jean-Dujardin? Mais... Ouais, c'est Jean-Dujardin que je suis là-dedans aussi, moi. Ouais. Non, c'était fucking bon. J'avoue que Brisonnet, c'est sorti le 3, finalement, ou... Ouais, parce que le 2 est cassé, mais c'est pas très bon, là. Non. C'est pas fameux, là. Mais même dans, le... dans OSS 117, c'est malade, il y a un gars qui m'a amené que c'est, genre, il y a une fille qui se présente à lui. Ouais, je sais plus. Vous m'avez pas dit que j'aurais une si jolie secrétaire. Et comme, je ne suis pas votre secrétaire. Il est comme, ben, vous êtes la secrétaire de qui? Ah ouais, moi avec c'est un de mes gags préférés. Comme, genre, je suis votre associé, dégâts réels, mais comme pff, on en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Mais c'est ça toute la langue. Ah ouais, c'est-tu que c'est drôle. Ouais, je sais pas si par exemple ça va être passé en ce temps, c'est crissement misogyne pis tout comme film parce que ça joue sur les ces vieux James Bond, ces affaires-là, mais je sais pas si en 2020 ça va être bien reçu par exemple. Ça reste dans la parodie. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais c'est tellement français, une grosse caricature. Ouais. Il a fait comme... Ouais, c'est un bon point, Marie. Je pense que ça a plus passé qu'ici, mettons. Ouais, j'avoue. Il y a l'aspect historique aussi, tu sais, comme dans la série, c'est comme ça que je t'aime. Ouais, c'est ça. Tourneaux, vu qu'il y a des personnages de même misogynes puis homophobes, là. Mais quand t'aimais, justement, dans le contexte historique, il y a comme quelque chose qui pense plus, je trouve. Ouais, mais aussi, on rit d'eux, là, dans le sens que c'est une joke, là, mettons, hein? Non? Ouais, ouais. Ouais, mais oui. C'est pas, ouais, ouais. On proclame pas ce personnage-là misogyne, on rit de lui. Là, ben oui, ben oui, ben oui. Okay. Oui. Non, c'est clairement. C'est des comportements arriérés, mettons. Hein? Ouais. Non, oh, exact, exact. C'est juste que je sais pas si. Bon, non, sans crise. Ben, il y en a encore du monde de même, hein? C'est peut-être une sorte d'actualité. Ouais, non, c'est clair. Mais de toute façon, moi, j'ai trouvé ça hyper drôle comme film, puis tu sais, je comprends le niveau en crise, là. Mais. Ouais. C'est juste, en tout cas. Fait que si Marco comprend. Je suis gay, juste. Le petit cave de Sainte-Julie, là. Ben, je vais en profiter pour remercier tous nos Patreons. Dans le fond, j'ai pas sorti. Non, mais merci beaucoup à chaque personne qui nous encourage. Pour eux, ça nous aide à payer Zoom. Puis, ben, merci beaucoup. Puis, si vous voulez nous aider, ben, ça existe. Puis, ah, c'est pas pire! C'est pas pire? Ça s'appelait genre, je vais peut-être me couper dans le bain, mais finalement, ça a été positif. Ah ouais? Enfin. Je vais finir par être bon aussi pour plugger ces shit-là. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, je vais présenter nos invités. Très content avec nous cette semaine, Marie-Pierre Simard et Isaac Bélanger. Yes! Hello. Merci beaucoup d'être avec nous autres. By the way, si vous êtes capable de crinquer un peu votre micro, genre, ça serait peut-être bon. Je sais pas si. Non, il est au maximum. Il est au maximum. Alright, c'est bon. Pas de stress. Ouais, fait que... Bon, rapprochez-vous quand vous parlez comme ça. Ah ouais, ce serait une bonne idée, ça. Parce que sinon, ça risque juste de comme gosser le monde un peu, parce que, tu sais, genre, ça va être comme son correct pour nous autres, puis quand ça va être vous autres, genre, ils vous entendront pratiquement pas. Fait que, genre, si vous êtes capable de vous... Ouais, ça serait ma petite demande. C'est pas compliqué quand tu parles, tu te rapproches comme un rapper qui fait un gros clash. Merci de m'informer. Sinon, vous autres, comment ça se passe? Le confinement, je sais que vous êtes les trois qui habitent ensemble, dans le fond. Commencez-vous à vous taper ses nerfs un peu? Ou, Oh! T'as sucé Isaac! Il y a de la haine. Il y a de la haine. Tu sais, je ressens pas la haine. Ouais, ouais, je le sens, ouais. Tension palpable. Ouais. Non, ça va. Non, ça va. Cette tension palpable. Dans mon jeune temps, on l'appelait ma queue. Oh oui, ceux qui s'attendaient à un épisode un peu sérieux, c'est raté. Moi, je vais juste niaiser tout le long. C'est malade. Non, c'est ça va bien. Oh. J'ai fait bien du pain, bien de la bouffe. Ah ouais? J'ai essayé d'être décapeur de meubles, mais c'était un échec parce que c'était du contreplaqué. du contreplaqué, c'était... Un beau projet. Ah ouais? T'as-tu scrappé ton meuble, finalement? Ben oui, oui, je l'ai mis à rue, finalement. Ah, ben on apprend. Moi, j'ai scrappé toutes les fines herbes que j'ai plantées. Ouais. Ah ouais? Pinterest nous a menti.
Pinterest nous a dit qu'on pouvait faire des fines herbes dans des pots maçons. Puis finalement, essayez pas ça. Tout le monde qui écoute, là, c'est la pire chose ever. Ah ouais? Toutes nos fines herbes sont mortes. Ouais. Puis avez-vous eu un lot de petites mouches dans vos bocaux? Ouais. On n'a pas réussi à s'en apparaître. Ça fait s'il reste dans les bocaux. Ouais, on portait ça chez le voisin. Là, on en a mis dehors, mais il y en a qui restent là. Puis ils se propagent dans les autres plantes qui, eux, vont bien. Ah, oh, super! Ouais, vous devez. Ils sont vraiment pas bons. Tout ce qu'ils ont entrepris, ils ont échoué. Wow! Tu continues à jouer à Splinter Cell, Jeff? Non, je les ai passés. Ah ouais? Mais, là, ma carrière de tennis est sur un hold un peu, vu que j'ai gagné plusieurs grands chelems. Là, j'aime ça me dire que mon bonhomme, il est fatigué. Ah ouais? Je joue pas tout de suite, il se repose. C'est quoi? Sinon, moi, j'ai. Tout ce que j'ai entrepris durant la pandémie, je l'ai réussi. Mais en même temps, c'était surtout me faire des gin tonic. Ah, dans le pire des cas, il va être plus fort, tu sais. Ouais. Il est plus fort, plus fun. Ah, c'est cool. Ben ça, on en parlait un peu tantôt avant de commencer à enregistrer. Ouais, t'as essayé de faire le liner live, GF? Ben en fait, t'as pas essayé de faire. Ah, ben toi! Non, t'as ça, réussi ça, ça pas. Dit tout, là! Un échec! Non, un échec, on l'a dit, tout ce qu'on fait, c'est de l'échec. Non, le liner stream en crossover que j'ai joué, c'était quand même nice. La première, on l'a fait deux fois. La première fois, c'était quand même sick. Je pense qu'on a eu comme du 80 personnes tout le long. Ah ouais? Ah, c'est bon ça. La réponse a été bonne. Puis là, on va peut-être continuer de le faire un peu sporadiquement. Mais ça n'a pas été banni en plus. Deux semaines, mais est-ce que j'ai pas compris? Non, excuse, je continue, je t'ai coupé. Mais ça, à place de faire deux semaines, plus de faire juste de temps en temps, comme ça. Je trouve que c'est plus payant pour un crossover. Tu sais, les Simpsons puis Family Guy. Ouais. Ouais. À chaque mois, Ah non, c'est clair. Mais techniquement, il y en avait deux épisodes, je pense, dessus, non? Ouais, mais c'était un 2. Non, mais tu crois, c'est un. C'est la suite. Ouais, non, je sais. Je voulais juste faire chier. Ouais. Okay. Mais ouais, ça avait pas été banni, me semble, cette affaire-là. Quoi? Mais me semble, j'ai vu ça passer sur Facebook. Ça a l'air que le lien avait été banni sur Facebook ou je sais pas trop. Puis. Les Simpsons? Ah oh, non, la Nerd Live. Ouais, la Nerd Live, déjà. Non, ça a pas été banni. On a juste. Nous, on l'a enlevé en plein milieu du live, en fait. Ah, ok. Il était plus accessible. Il fallait que tu sois déjà là pour l'écouter. Ok. Ouais, puis j'ai essayé de l'écouter par la suite. C'est quand qu'on l'a enlevé. Ouais, j'ai essayé de l'écouter par la suite, mais j'ai pas été capable. Hey, ouais, il était fucking sous mort. C'est pas stipé. Ah, hey. Ouais, il était décolle, c'est. Mais non. Souvent, quand il s'en va faire un podcast ou en tout cas des rencontres Zoom. Rencontres professionnelles, Zoom. Il ressort en rampant. Ouais. Ça me fait bien de la peine, ce podcast-là. Vous êtes dur. Les Simpsons, il y avait deux épisodes, le cave. Ah! Non. Ouais, mais moi, avec, si à toutes les fois, j'aurais juste un podcast où, genre, je suis sur une conversation Zoom, on dirait que je suis porté à plus boire, vu que t'as l'impression d'être avec les gens. Right. C'est comme quand t'es assis, tu te lèves, là. Tu n'as pas réalisé combien tu avais bu et comment tu es sous. Ben, c'est la même chose avec Zoom. Quand le Zoom est fini, tu réalises que tabarnak, tu n'aurais peut-être pas dû boire autant. Oh, ouais. Je pensais que tu le réalisais quand tu le réécoutais. Ouais, aussi. Ah non, faut pas faire ça. Ouais. Je l'ai déjà fait réécouter le podcast quand j'étais sous. Puis toutes les fois, ça me faisait mal. J'étais comme, Ouais. Genre, j'avais honte. Puis la fois d'après, j'étais comme, si je suis pas bon. Puis. Non. Ouais, mais là, si on se barre le casque aussi. Ouais, c'est sûr, c'est pas de shit. Dans ta catégorie, t'es quand même excellent. C'est sûr que tout le monde est rendu dépressif. Non, quand je réécoute des épisodes dont on se barre le casque, surtout ceux que je suis dedans, je trouve ça bon. Là. Ben ouais. Enfin, quelqu'un en qui je me reconnais. C'est ça qui manquait. Il arrive ouais, avec ça. Sa too much confiance en lui, là. J'ai honte. Sinon, la dernière fois que vous étiez venu, je me rappelle, on avait parlé de vos personnages de Manon et Manon, puis vous étiez capable de les ramener à GHB. Étiez-vous content? Là, vous faites souvent? C'est Carole et Manon. Ah, oh, Carole et Manon, excuse. Mais c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave. J'avoue que ça aurait. Ouais, ouais, Manon, ça aurait été drôle aussi. On l'a refait une fois depuis, me semble. Je pense que vous l'avez fait deux fois depuis. La dernière fois, c'était quand même quelque chose de marquant.
anniversaire, hein, de 1 an à GHB. Ouais, c'était pour les 1 an de GHB. Ouais. Puis ils ont vraiment été accueillis comme des putains de rockstars. Ouais. Ah ouais? Moi, c'est la première fois que j'y allais. Je disais, voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Comme si on avait une carrière où on était comme, mais voyons, là. Les grands rockstars reviennent, tu sais. Le personnage qu'on fait une fois par 2 ans. Ouais, c'est comme le, c'est comme la mascotte. On fait toujours des comebacks, tu sais, comme c'est ça notre trademark, c'est qu'on fait des comebacks, on s'en va, c'est toujours notre dernier show, mais on, c'est notre comeback, tu sais. Oh, génial. C'est né comment ce duo-là, pour ceux qui connaissent? C'est né comment ce duo-là, pour ceux qui connaissent pas? Ben, c'est un peu... c'est né. J'ai honte. C'est né de notre volonté de devenir membre actif de l'UDA. Tu m'attendais à tout sauf ça. C'est quand vous avez crossé vos points. Ouais, c'est quand on a crossé de l'humour. Finalement, grâce à ça, j'ai commencé à faire de l'humour, mais toujours est-il qu'au début, c'était surtout pour avancer. Là, on faisait des jokes beaucoup trop hardcore dans les salons de thé. C'est ça. Enfin, dans des salons de thé, genre, madame buvait leur thé. Ouais, genre, on tuait des enfants, genre, pour des jokes de drogue devant des vieilles madames, genre, full pincé du truc cul. Ça avait vraiment pas rapport. Mais avant, ça a eu une évolution, tu sais, comme on n'était pas tout de suite Carole et Manon. OK. On a été... Rock Manon. Mais on le savait, on n'avait pas vu le jeu de mots. On est vraiment laid. Oh, pour vrai? On s'en est rendu compte, genre, après avoir changé. Après avoir changé. Je pense que Rock Manon, ça aurait été mieux, je pense. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais, c'est quelque chose là-dedans. Mais Rock Manon, c'est vrai. C'est très drôle. J'ai oublié, il y avait aussi José Lito. Ouais, il y avait José Lito. Oh, wow, ça aussi, c'est bon. Ouais. Ouais, ça, c'était juste des jokes dont on prend toujours un train. Puis... Oh, j'avoue que tu peux faire un numéro avec ça, mais... Ouais, ça, ouais. José Lito, José, c'était ça pendant full longtemps. J'étais déguisé en fleurs. Ils sont bien gelés, Colette. Sinon, un autre de vos duos, c'était les Germain Germaine. C'est genre des gens très théâtrales. On avait juste des cagoules. Puis on faisait colle juste... de merde. Ouais, vraiment, c'était colle de merde. Ça, c'était vraiment mauvais, là. C'était vraiment mauvais. Mais moi, ça me fait plaisir quand je vois des choses comme ça, parce que c'est très burlesque aussi, là. Ouais. Ça ramène vraiment l'humour des années cabaret, je sais pas quelle année, en fait. Non, on n'était pas arrivé là, dans les années 2000. Ben, c'est ça. Non, mais c'est le fun, c'est rafraîchissant, là. C'est, ouais. On n'en voit plus, puis vous êtes drôles, vous êtes vraiment très drôles. Mais surtout, Carole et Manon à GHB, ça fit vraiment. Ben oui. C'est pas du stand-up, fait que ça détonne, puis c'est tellement des gros personnages que... T'sais, moi, souvent, on l'écrit ensemble. T'sais, c'est plus eux, là, c'est leur pattern. Mais quand genre, je pitch un gag là-dessus, moi, mon seul challenge, c'est pour dire la pire chose que même moi, j'assumerais pas, mais c'est dans la bouche de quelqu'un d'autre. C'est ça. Puis là, c'est top parce qu'on se fait tous ça. T'sais, mettons, moi, pour lui, j'écris, mettons, la pire chose de tous les temps pendant qu'il se part aux toilettes. Puis là, je fais... Il va dire ça, puis là, après ça, c'est la même chose. C'est la même affaire. C'est toi qui dis ça, là. Moi, je le dis pas. Moi, je fais telle affaire, fait que c'est toi qui dis ça. Ah non, on a dit des choses horribles. Tu sais, ça finit avec le mec Toton, là, avec un vieux burger sur un sac. Marie-Pierre qui pogne une bouchée dedans. Il y avait une croix gamée sur le Toton, aussi. Hey. Ouais, j'ai vu ça, les photos en chat, c'est comme tabarnak, ça avait l'air insane. Ça se peut pas. C'est ça de la croix gammée, il n'y a pas de photos. Mais j'espère que non. Mais c'est non. Tu veux dire quoi? Ça serait un peu mal interprété, là, c'est ouais. Personne sur un stage avec une croix gammée. Mais oui. Vous avez vu avec Maxi, le monde a chialé? Ben non, il peut prendre une croix gammée sur le chest. Ah, en plus, il est sur un stage, tout le monde applaudit. C'est comme tabarnak, c'est quoi ce GHB? Moustache de Montez Charlie Chaplin. Ouais. Pas le titre de TVA Nouvelle. Là, surtout que j'avais genre une longue perruque bleue, genre, ça ne fait pas rapport. Ouais, j'aime que ça envoie des messages contradictoires un peu. Ouais. Ouais. Pour les nazis trans. Ce serait malade. Non, les c'est comme un plaisir. Oh, excuse, je t'ai tellement. Non, vas-y. Mais c'est comme un plaisir d'acteur que vous faites dans le fond, tu sais, vous gâtez dans ces personnages-là, ouais. C'est du document. Tu sais, je veux dire, jamais dans un autre contexte, on ferait ça, tu sais. Mm. Je veux dire, ça merge bien ensemble, justement. Puis nous, on s'éclate là-dedans. Parce que sorti de GHB, c'est un peu bizarre. On l'a fait une fois à Québec, puis une fois à Granby. À Granby, c'était pas super, mais à Québec...
Ben, Grimby, c'était GHB aussi. Ouais, c'est ça. Là, c'est parce qu'il y a comme la moitié. En plus, on l'avait vraiment adouci, mais c'est comme si la moitié du monde faisait oh mon Dieu, ça fait du bien, ce genre de mot-là. Puis l'autre moitié faisait genre. Tabarnak. C'est quoi? Genre. Qu'est-ce qui se passe? Puis t'es en crise aussi. Ah ouais, ça doit faire chier quand tu te fais mépriser puis t'es sur scène, t'es comme ouais. Tabarnak. Vraiment, là. Bon, moi, t'es en personnage, là. Tu peux toujours t'en sortir. Ouais. Mais c'est un peu ça aussi avec l'humour alternatif, là, ça pouvait plaire à tout le monde. Là, fait que non, ça, non, c'est sûr. Ça, mais... Bref, devant des têtes blanches, c'est un peu lourd. Ouais, c'est clair. Avec, on avait plus la conscience aussi. C'est pas comme quand on avait, mettons, 20 ans puis qu'on faisait nos points UDE, là, on s'en collissait du monde. Je, vraiment, moi, je m'en crissais. Là. Mais là, comme 10 ans après, j'étais plus... Grande paye aussi, ça fait un peu plus chier. Genre, ouais. C'est ça que j'ai fait, là. Il est vagin pendant 30 minutes avec des jokes de coups de pelle d'en face. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme, mettons, qui vous stresse, mettons, si t'arrives à une place pour faire ça, puis genre, tu vois justement que le public, ça sont plus vieux ou ouais, genre. C'est ça, non. Exactement. Ouais. C'est ça, on n'a pas le goût de faire ça. On a le goût que ça soit. Quand on fait... C'est ça qui est plate parce qu'on le crée pour une fois, mettons. Ouais. Le number. Ouais. Mais je pense que c'est mieux de rester dans ce contexte-là, peut-être. En tout cas, j'ose pas. Mm. Ouais. Mais c'est quand même ça qui t'a donné envie de faire de l'humour, mais... Ouais, c'est ça le pire. Mais tu sais, j'ose moins me sortir, mettons, un poulet du vagin de soirée d'humour ordinaire. T'sais. C'est moins une chose que je fais. Genre, la dernière fois, on a sorti du parmesan, on a crissé sur le monde. Là, c'était... Ah oui, ben j'étais là, la chatte du parmesan, je n'ai pas eu. Genre un bloc ou ça du parmesan? Hey, ça sent... Moi, j'ai pas d'odorat, hein, mais je vous jure, là, ça sent. c'était dégueulasse. En plus, la maudite, je dis, là, tu m'en mets genre pas tant que ça, tu comprends? Parce que... Ben oui, mais tu dis jamais ça, là. C'est une invitation. C'est une invitation, d'accord. Comme, OK. Puis là, finalement, c'est ah ouais! C'est tout le monde, ça, dans le public. Genre, on arrêtait plus dans son pénis, c'était genre. C'était. Fait que c'est ça, j'hésiterais un peu à faire ça ailleurs, tu sais. C'est pas le gars, je pense. Surtout le parmesan, là, c'était drôle. Mettons que ça n'avait pas été GHB. Cul partout dans l'abreuvoir. Ça aurait peut-être une plainte, mettons. Mais surtout après, je sors le cheeseburger directement de là, tu sais, qui pille le parmesan qui tombe, tu sais. C'était dégueulasse. Non, c'était juste dégueulasse, ce soir-là, finalement. Moi, le fait, c'est qu'une semaine avant ça, j'ai reçu un message de la mère d'Isaac, on en parlait avant le podcast, là, qui me disait, hey, tu sais, mon fils est rendu à Montréal, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il devient? Puis je dis, non, tu sais. Là, je vais à GHB, c'est la première affaire que je vois. Oh, wow! c'est ça qu'il fait de sa vie, Isaac, c'est bien. Mais non! C'est drôle, ça. T'as-tu vu qu'est-ce qu'il devient? Il y a des croix gammées, c'est tonton. J'ai gardé ça pour moi. Ouais, c'est ça. Mais sinon... Super engagé, ce qu'il fait. Oui. Mais sinon, et Marco, excuse. Non, il n'y a pas de stress, Tu disais que vous avez sorti GHB à Grimby? Oui, c'était dans le festival Loufoque. C'était la première édition l'année passée. Festival de Sébastien Russell. Puis c'est lui qui m'a approché. En fait, lui, il connaissait le concept de GHB, ce qui est quelque chose de connu dans le milieu de l'humour. Il me l'a proposé, puis on l'a fait, puis c'était malade, là. C'était crissement sold out. Ah ouais? Vraiment cool. Ouais, c'est cool, ça. Ça te stressait-tu plus, vu que c'était pas genre chez vous? Non, à la limite, c'est juste qu'il y avait du monde. Fait que quand je suis arrivé, c'était vraiment plein. Ah ouais. Moi, après ça, surtout avec GHB, quand tu rentres dans le concept, c'est pas mal moi qui décide, sinon on veut pas te checker. Ils savaient dans quoi ils s'embarquaient, le public. Ça s'appelait Gore Hard Brutal. Mais c'est pour ça, GHB. Hein? Ouais, je sais, mais. Ouais, j'avoue que Chris t'a pas lu le flyer en hostie avant de rentrer pour genre être offusqué. Là. Ouais, c'est ça, puis c'est même pas dans le but de GHB. Mais il y avait du monde offusqué quand même à l'hôtel de ville. Ah ouais. Mais pas qu'il était offusqué, parce que vu que c'est un festival qui est financé par la municipalité. T'sais, ils sont comme, OK, mais il fallait juste qu'ils rendent des comptes, là, genre, à quoi ça sert de faire des jokes de viol financés par la municipalité. C'est pas de leur calice de problème. Mais c'est à quoi ça sert un classeur noir? Ben non, tabarnak. Il était pas fusqué, mais il se posait des questions. Il remet en question. Il fallait qu'ils répondent à certaines questions. Ouais, ben des fois, c'est pas tant pourquoi tu donnes de l'argent à ces personnes-là, mais c'est
t'sais, l'argent que tu donnes à une activité ne va pas à d'autres. Fait que c'est ouais. encore plus difficile à justifier quand c'est des ouais. sujets qui ne touchent pas tout le monde. Exactement. Ouais. Ouais. Mais il ne finançait pas mon show. Il finançait le festival oui, en soi. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est la... Ouais, ouais. Mais il y a de la pub. De et oui, je ne suis pas à la municipalité. Je ne peux pas dire tout ce qui s'est dit. Ouais. La fille est allée low profile après, là, tu sais, costumée pour voir ce que le monde disait. Ouais. Je suis une crise de folle. Ah, t'as voulu rentrer incognito avec ton soupe de Manon? Ouais, exactement. Incognito, ouais. Manger mon poulet, mais le pire, c'est qu'on changeait comme dans le backstory du resto-bar, dans le fond. Puis, il y a un moment donné, il y a un employé qui arrive pendant qu'on se change. Il y a toujours des, notre des costumes. Puis, ils font ah, allô, hein, je vais juste prendre ces signes. On dirait qu'il venait de pognate crosser. Vraiment. Ou plutôt, tu dis non, je suis en train de me crosser. C'est moins gênant. Ça aurait mieux passé. Oui, sinon, Marie-Pierre, Jeff m'a dit que tu écrivais sur une série. Oui. Oui, ben, c'est pas vraiment une question. Tu as le droit d'en parler. Aussi, là, mais... ben, non, je ne ouais. peux pas full en parler parce que probablement, je ne suis pas encore acceptée. OK. Dans le programme que j'essaie de m'inscrire. C'est sur la bonne voie, mais c'est pas encore fait. Puis j'ai pas déposé encore le projet à Sartec puis tout ça. Fait que ben je peux. OK. Ouais, finalement, je t'ai lancé sur une petite piste c'est... de marbre, Marco. Ouais. En plus, c'est la seule piste que tu m'as donnée. C'est vrai, hein? Mais c'est pas grave. Ça parle, de, ça parle de booster des chars. OK. Ouais. C'est un sujet qui t'intéresse d'habitude ou t'as voulu volontairement sortir de ta ouais. zone de confort? Non, c'est parce qu'à un moment donné, dans ma vie, j'étais un peu désespérée. Puis, il y a une application qui est sortie pour booster des chars. Oh. C'était comme un peu Uber. Okay. Mais, mettons que t'es dans marre, genre, tu peux trouver quelqu'un pour venir booster ton char, puis ça te coûte 20$, puis c'est genre, mettons, l'autre personne arrive, tu sais. Puis là, moi, je trouvais ça full nice. Je sais pas pourquoi, là. Je me suis dit, comme, ça allait changer ma vie. Fait que, comme, je voulais, comme, rencontrer l'homme de ma vie en allant booster des chars. Fait que, je me suis acheté une batterie. Back. Ouais, puis tout, ouais, c'est bon. J'ai jamais pas fait grand chose avec ça, mais j'ai juste surtout espéré rencontrer des gens nice ouais. en allant booster leurs chars. C'est un peu bizarre, là, mais fait que c'est ouais. parti. Ouais. Ouais, son truc pour booster les chars, elle s'en sert surtout pour charger son cellulaire. Donc... Je suis la pire personne pour booster un char. En plus, je suis même pas capable de mettre la bonne couleur. Fait comme... Bah, si t'arrives avec une batterie, au moins, il y a déjà la moitié de la job de fait. Ben oui, exactement. T'sais, l'autre personne, elle s'en chargera. Non. Je parle de ça, mais je peux pas plus en dire pour l'instant parce que je ne sais pas encore exactement. Il y a des choses qui sont pas nécessairement fixées, tu sais. Oh, je comprends, y a pas de problème. Sinon, seriez-vous game de faire un musical? Là? Genre, question, non, là? Pas live, là, non, mais si. Okay. Non, Chris. J'avoue, ouais. Pendant deux secondes, je pensais que l'image avait figé. Non, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Là, visiblement, si tout le monde l'a compris de même, c'est moi. Mais ouais, non, c'est quoi qui vous intéresserait, mettons, de faire un musical, genre de quoi de chanter puis danser puis des choses de même? Non. OK. Mais moi, ça me tente tellement pas que je vais juste te mépriser et pas répondre. Non, mais je déteste les musicals. C'est que je me demandais, tu sais, quoi. Le pire, moi, j'ai fait une audition pour faire le musical de Juste pour rire cet été. Ouais, ben c'est une peine, je vais le chanter. Ah ouais? Ouais. Puis mais... je vais être content. Et quoi, ton audition? Ils t'ont-tu demandé de danser et de chanter devant tout le monde? Non, c'était comme un self-tape, donc tu t'enregistres en faisant les. Il y avait une scène jouée comme du personnage plus une chanson. Petit fait amusant, il a reçu une plainte de son propriétaire. Ah oui, c'est ça! Oh, wow. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est drôle, ça! C'est parce que ta voisine en bas, c'est une avocate, puis là, elle est montée en haut, là, elle dit « C'est correct, tu sais, moi aussi, j'écoute la musique, mais j'essaie de pas chanter, j'en parle. » Ah, wow! Ah, il chantait mal, fait que ça l'a un peu... Ça a détruit ma carrière à ce moment-là. J'avais une foule de confiance, puis là... Mais c'est bien chien! Surtout... Je suis pas chanteur dans la vie, mais je suis capable de chanter juste, tu sais. Puis l'affaire, c'est que quand c'est pas quelque chose que tu exerces fréquemment, faut que tu le refasses souvent pour comme que ça soit constant, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Je l'ai vraiment refait souvent. Mais vraiment souvent. Comme 3 jours de suite. Ouais, pas la même... Elle était genre taillée!
C'est quoi? Je l'ai pas eu, fait que je le ferai pas. Fait que, mais tu sais, c'est un projet comme un autre aussi. T'sais. Non, oui, non, mais ça pourrait être. Cool, mais t'as du guts, là, faut le dire. Tu sais, t'essayes dans plein d'affaires, puis. Ouais. Je trouve ça cool. Continue. Ouais, ça. Non, mais je réussis de faire des trucs. Ben oui, c'est, ça va bien quand même depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. C'est déjà ça, il y a un avancement. Ben oui. Ah, mais ouais, ben il y a eu un premier rôle à un moment donné. Je sais pas si tu vas en parler. Ah ouais? Ben oui. Vas-y, dis-le. Dans une série jeunesse, hein? Oui, elle sait tout. Ah oui, nice. Tout au complet. Sa mère lui a envoyé. Louise, elle tout dit. Mais bonjour quoi, Louise, on va saluer ses parents. Salut Louise. Deux. Allô Louise et Maurice. Je t'aime. Oui. Mais ouais, t'as eu un premier rôle. Ouais, l'été passé, en fait, ça a vraiment sorti de nowhere, dans le fond, l'audition. Puis, c'était justement, c'est sorti. C'est dans le fond, ça s'appelle le 4-2-2. Ça a passé à Télé-Québec pendant les fêtes. Puis, ils ont sorti après les fêtes une mini-série sur le web qui s'appelle Où est Lucie? Fait que c'est vraiment en lien avec l'univers du 422. Puis, tu sais, c'est vraiment fantastique. C'est quelque chose qu'on fait rarement, mettons, au Québec, là. Puis, en fait, c'est ça. Là, j'ai fait l'audition, puis c'est un peu surréel là, de passer les étapes, finalement, de l'avoir enfin, tu sais, parce que c'est quelque chose que tu veux obtenir à un moment donné dans ta carrière de comédien, de l'avoir là, tu sais. En plus, dans le déménagement, puis tout ça, en tout cas, c'était quand même surréaliste, mais c'était vraiment, vraiment une super belle expérience. Toute l'équipe de tournage, c'était vraiment le fun aussi. Puis, tout était nouveau aussi. Tu sais, c'était pas un téléroman qu'on voit comme un peu partout, là, tu sais. Fait que... Ouais, t'avais des scènes de combat. Ouais, c'est ça. Ah, oh, ouais. Ah, c'est hot, ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment un univers de A à Z à construire, puis le niveau de jeu était différent aussi. Vraiment, vraiment content d'avoir fait ce projet-là, tu sais. Puis, tu sais, justement, comme les combats, puis tout ça, ça n'a pas été quelque chose qui m'a fait peur, mais je suis plongé dedans, tu sais, puis je suis comme, on va le faire jusqu'au bout, tu sais, puis à 100%, tu sais. Puis, c'est vraiment une grosse construction de personnage. Je change ma voix, j'avais une prothèse, puis je voyais rien, je me suis même planté une couple de fois. Mais, tu sais, on tournait dans les gros studios Mels avec un gros décor. Ah ouais? Ah ouais. Non, c'est quand même un gros projet d'envergure, mettons. T'sais. C'est cool, ça. Est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi c'est toi qui as été choisi pour ce rôle-là? Mais c'est vraiment drôle, parce qu'à l'audition, dans le fond, c'est un duo qu'on faisait. Puis, on est comme dans l'univers des itinérants, un peu dans cet univers-là. Tu sais, fait qu'on est un peu amoché. Moi, je vois pas, justement, puis l'autre, il y a comme une grosse cicatrice en face. L'univers des itinérants? Non, moi, dans cet univers-là, je suis un itinérant. OK. Mettons vulgarisé, tu sais. Ça se passe pas dans la schlag. Non. Puis, on a été jumelés, moi puis Guillaume Gauthier, dans le fond, l'autre comédien. On s'est jamais vu de notre vie. Puis, des fois, il y a la magie qui opère, puis ça a vraiment opéré. Ah, on était peut-être comme les cinquièmes à passer, puis à partir de ce moment-là, tu sais, c'était vraiment la productrice puis le réalisateur, et en fait, on revenait toujours à vous, tu sais, pour le duo. Puis, c'est parce que des fois, tu sais, dans le processus d'audition, OK, c'est peut-être pas les bons matchs ensemble, mais lui, il est bon, puis on va essayer de voir si ça blende l'énergie, tu sais. Fait que, finalement, tu sais, ça... Les deux, on s'est pitché justement comme dans l'audition puis dans nos personnages. Là, parce que vu qu'on n'avait jamais fait ça au Québec, tout le processus était vraiment weird parce qu'ils nous donnaient plein de référents contradictoires ensemble parce qu'ils cherchaient aussi en même temps quel ton ils voulaient à la série. Fait que... Il était encore en création de la série? Tu veux dire, c'était pas encore complètement Il restait des trucs à fignoler, mais surtout pour ces personnages-là, il était comme, on sait pas encore à quoi qu'ils ressemblent vraiment, qu'est-ce qu'on veut. On sait un peu c'est quoi le ton, mais ça va dépendre aussi du comédien qui arrive. T'sais. Puis finalement, c'est ça, avec la proposition que j'ai faite, puis la sienne, c'était en pile qu'est-ce qu'il imaginait, mettons. Il y a ça aussi beaucoup dans le processus d'audition, c'est des fois, tu imagines quelque chose, puis là, le comédien te le donne, tu fais, ben là, c'est ça. Oui, il y a la même ça. Vision, fait que tu fais comme ouais. C'est dur à trouver, ça fait quand tu tombes dessus, c'est ça, là. Il y a eu beaucoup de chance là-dedans de tomber sur ce gars-là en audition, Guillaume, puis que ça fonctionne aussi, tu sais. C'est ça, tu peux ne pas comme
arriver, puis le partenaire, ça fonctionne pas, tu sais. Mais là, ça a tout fonctionné, puis c'était magique. Ouais, c'était vraiment le fun. J'ai une autre question, Marco. Non, vas-y. Mais je veux savoir en quoi la série a été dans ce que les autres n'ont pas fait. Ça s'est jamais fait. C'est quoi qui était vraiment différent? Ben, tu sais, c'est vraiment l'univers parce que ça se passe sur une planète, ben, dans un monde imaginaire, pas une planète, mais un monde imaginaire qui est la 8e dimension. C'est comme un peu, c'est vraiment aventure, tu sais. Je te dirais un peu... Fantastique aussi, c'est ça? Oui, fantastique. Je dirais, il y a la planète qui s'appelle Gamma, qui, si tu la regardes trop longtemps, elle joue avec tes pensées. Ouais, c'est un autre univers. Mais c'est intéressant, vraiment. C'est bien fait. Oui, c'est pas genre... C'est pas cheap, mettons. Ils ont poussé vraiment leur imagination dans ce concept-là pour que ça se tienne aussi, j'imagine, que ce soit bien. Les effets spéciaux. Les malades. Non, mais c'est cool. Ouais, tu sais, je veux dire, c'est justement, c'est comme c'est dans l'univers aussi, c'est des jeunes qui tombent là-dedans, dans cette 8e dimension-là. Ils ont une quinte, il faut qu'ils fassent des épreuves pour pouvoir sortir de là. Fait que, tu sais, une dimension fantastique, un peu à la Stranger Things, mais pas Stranger Things pour vendre tout, t'sais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est rare qu'on fait ça aussi, des trucs pour public plus familial, mettons. Puis, que ça soit dans... ce genre d'univers fantastique là aussi, là, tu sais. Fait que c'est vraiment, ça a été une super belle expérience. C'est encore en ligne sur Télé-Québec. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Ça s'appelle Où est Lucie? Puis c'est dans le 422. OK. Ah, c'est cool. Puis c'est arrivé, mettons, des fois que tu te fasses reconnaître par des enfants, genre? Non, mais... Non? Ben, quand il quittait dans Hushlag, oui. Mais il y a un estigo costume, tu ne reconnais même pas, dans le fond. Ah, pour vrai? On ne voit pas vraiment sa face. Ah! Oh. Mais je change ma voix, là. C'est pas ma voix que... Je parle pas comme ça, là. Ah, oui! C'est pas de faire le personnage, là. Ah, bon, oh, ouais, fais-nous les... Hey, fais-nous ce personnage-là qui chante la toune de ton audition. Isaac! C'est comme... La, la, la... Non, c'est... Chante Chris Maman, là. Oui, ça, mais j'ai eu merde. Ça, c'est super. Ouais. Fais-nous ce personnage-là qui rappe. Non, mais ça te fait chier, genre, justement, le fait d'avoir des... d'avoir ton visage découvert, puis tout. Penses-tu que le fait d'avoir, mettons, le visage découvert, t'aurais plus ouvert de porte, genre? Bonne question. Bonne question. Là, la c'était pas écrit, en plus. Ouais, c'est ça, bravo! Je pense pas, parce qu'en même temps, tu sais, je veux dire... dans ton portfolio. Ouais, dans mon portfolio, c'est quand même, je veux dire, un premier rôle qui est écrit, tu sais, puis... tu sais, je veux dire, ma proposition fonctionnait aussi avec l'univers, tu sais, puis... Tu sais, c'est ça qu'on me reconnaît pas avec le visage, tu sais, mais je veux dire, là, vous me voyez, vous savez qui je suis. Si tu regardes la série, tu sais qui je suis dans les personnages. Là, et je le dis à tous, c'est moi qui joue. Vous connaissez moi. Regarde. Mais il y avait aussi l'aspect, justement, comme la prothèse, ou si j'avais juste des lentilles pour les yeux. Fait que ça a été comme un débat aussi, parce que justement, ils voulaient qu'on soit un peu effrayant, mais pas trop non plus, pour... Si j'ai juste les yeux vitreux. C'était frais, les enfants, non plus. Dark, quand même. Salut! J'ai perdu mes yeux. Mais c'est ça, tu sais. En quelque part, c'est un bon point pour un comédien de réussir à faire oublier qui il est aussi. Ouais, ben ouais. Oui, vraiment. Puis d'autant plus, tu sais, je veux dire, si mettons, des fois, tu as des personnages qui peuvent te coller à la peau. Mais juste moi, dans ce cas-là, ça va être le fun parce que vu que ma face n'est pas complète aussi, tu sais, même si, je veux dire, je sais pas si la série a continué, on sait pas encore ce qui arrive. Là, avec il pourrait y avoir une suite? Ben oui, c'est sûr qu'on espère, tu sais, mais on sait pas trop avec tout ce qui s'est passé depuis 2 mois. Ouais. Fait que, non, voir comment les tournages aussi vont recommencer parce que je dirais. C'est toute une grosse question. Au moins, tu serais masqué, là. Fait que ça va. Ouais, il y a une plate en vite. Ah non, c'est la seule place que t'es pas. Ouais, puis j'imagine que dans une série pour enfants, t'es pas supposé de frencher d'autres comédiens. Ça doit pouvoir se faire dans une certaine distance.
Oui, c'est ça, dans le fond. Fait que ça pourrait être jouer. Ça pourrait être priorisé, même, la télé jeunesse, qui sait. Oui. Mais Marie, toi, est-ce que je dis Marie-Pierre? Parce que j'ai tendance à être familière, mais... Mais c'est bien. Non, mais c'est quand même que les gens te découvrent aussi, tu sais. Toi, Marie-Pierre Simard, t'aimerais-tu ça faire les séries jeunesse? Te vois-tu faire ce genre de personnage-là? Quand Isaac créait le sien, là, quand il était dans le processus, t'étais-tu dans... avais-tu envie de participer? T'es malade, là. C'est un gros projet, puis c'est un premier rôle pour vrai... Si on m'approchait pour une série jeunesse, je serais vraiment contente et je le ferais, mais c'est pas nécessairement ce que je voudrais le plus. OK. Qu'est-ce que tu voudrais le plus? Ben, c'est sûr que comme pas mal beaucoup de comédiens, ce serait de jouer genre dans une série de François Les Tourneaux. Non. Ouais, hein? Oh, ouais. C'est comme mon idole. Je pensais que tu allais dire travailler dans un grand restaurant. Non. Ça, à tous les jours, mon grand rêve. Non, c'est ça. C'est sûr. Ultimement, ce serait ça, mais je crache pas sur la jeunesse, là. Pour vrai, ça... Marie-Pierre Simard, la relève de Gilles Proulx. Les jeunes peuvent me sucer le cul. Mais ça avait l'air vraiment malade mental, là. J'aimerais ça, mais tu me demandes ultimement ce que je voudrais, c'est François Les Tourneaux. Ouais. C'est le message est lancé. François, moi aussi. On va y envoyer. Ah, c'est clair. C'est tellement bon ce qu'il fait, là. Je suis en admiration. C'est insane. Tout le monde qui est tout le monde me reparle des Invincibles, puis j'ai réécouté les Invincibles, puis c'est clairement à cause tout le monde s'est perdu dans tout.tv, puis a fait crier, je veux plus de François Les Tourneaux. C'est indémodable. Moi, je les réécoute à chaque année, là. Ça, puis Cyril, moi, on les réécoute à chaque année. Ouais. J'avais tellement hâte que ça sorte, la troisième, c'est comme ça que je t'aime, mais là, c'est sûr que là, les Invincibles restent, je pense, mon préféré quand même. Ouais. Ben, tu vois, genre, quand j'écoutais c'est comme ça que je t'aime, je me suis dit, je pense que c'est la meilleure qu'il a faite. Je suis retombé dans les Invincibles, puis genre, les deux premières saisons sont insane pour vrai. Ça, c'est les meilleures qu'il a faites. La personne t'a écouté Série Noire, puis tu t'es dit la même chose. Ben, c'est ça. Je pense que je vais retourner dans Série Noire, mais je pense que c'est sa plateforme payante de tout.tv, fait qu'il faudrait que je m'abonne. Ouais. Je risque de finir par le faire pareil. Puis, mais pour vrai, Série Noire, c'est magique. Série Noire, c'est la meilleure. Là. Ceux qui sont pas d'accord avec ça, ils ont tort. Ouais. Série Noire, c'est vrai. Je change mon fusil d'épaule. Série Noire, c'est la meilleure. Après ça, les Invincibles, moi, j'ai bien aimé la 1 puis la 3. La 2, je l'ai trouvée bonne, pareil. Hein. Moi, tu vois, la 3, je l'ai trouvée dégueulasse. Je l'ai réécoutée, puis j'étais fâché en l'écoutant. J'étais comme, le reste d'affaires, parce que, tu sais, c'était comme les filles qui prennent le contrôle. Ouais. C'est comme genre, les enfants, ça s'assoit à la table des enfants, puis vous allez boire du mousse. C'est connasse. C'est fâché parce que c'est des Moi, pour vrai, ça me faisait chier. C'est vrai, là, sont méchants, tabarnak. Ils sont pas fines. Ben non, mais ça n'a pas de crise de sens. Ils font ça pour aucune hostie de raison. Puis, genre, en tout cas. Power trip. Ben, ils se sont fait tromper. Ouais, non, mais ça, c'est plus tard, par exemple. À ça. La vengeance. Mm. Ouais, mais non, mais ça, c'est plus tard qu'ils se font tromper. Non, c'est plus tard. Ok, oui. Ouais, c'est ça. Une manière, ils se font tromper. Puis là, ils décident de finalement, genre, faire comme une genre de soirée weird. Ils font comme s'ils se rencontraient pour la première fois. Puis après ça, genre, ils dompent tout le chien en même temps. Weird, ça. Ouais, vraiment. Mais c'est vrai que c'est Série Noire, je pense que par rapport aux personnages aussi, là, c'est d'exception, les personnages qui se trouvent là-dedans. Là. Non, ouais, c'est. Le East Gay Gang, là. Oh, oui! Tout est comme super bien détaillé, puis c'est funky. C'est funky. Ouais. Ces personnages sont vraiment insane, là, tu sais. Je veux dire, les directions, tu fais comme, mais voyons donc, tu sais. Dans la dernière que faite, là, la militante, là. Ouais. L'avez-vous regardé, ça? Non, puis là, je suis comme, j'ai envie de faire la, je sais pas trop, mais. Ouais, non, c'est des personnages. Puis le caïd aussi, c'est des personnages. Ouais, ben, le gars qui fait du slip and slide, là. C'est malade. En plus, c'est drôle parce que dernièrement, au bar là, où que je travaille ben, avant la COVID, il y a du monde qui ont commencé à mettre de l'eau sur le bar, puis à mettre du savon à vaisselle, puis à faire comme du slip and slide sur le bar. C'est une bonne idée quand t'es sous, là. Ben oui. T'es en tabarnak. Pour ça, le melon d'eau, c'est au bout pour amortir la chute. Exactement. Genre, les voulaient faire ça à terre, à plein de vite à terre. J'ai comme, non, c'est pas ça. Le monde, on s'en fait d'en. C'est genre, ça devient free fall. Tabarnak. Mais c'est drôle quand même. Ouais. Quand t'es sous, c'est clair. Pas ton confinement? Nien! On parle à qui, là? Ouais, ça, c'était bon. Nien! Ça, c'était... ça, votre confinement, ça se passe-tu bien? Ah. Mon Dieu! Ouais, pour vrai, ça se passe quand même bien. Je te dirais que ça arrive une fois de temps en temps, genre une semaine, que genre je me sens quasiment claustrophobe de tabarnak, on va-tu faire de quoi? Puis genre, je veux-tu pouvoir voir du monde? Mais... Tu peux continuer à travailler, puis tu te demandes ça, imagine. Ouais.
Mais c'est parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, normalement, qui était quasiment tout le temps avec du monde, tout le temps, genre. Puis, tu sais, je reste chez nous, puis, genre, je m'emmerde à rien foutre. Fait que, tu sais, je suis tout le temps en train de sortir, puis aller voir du monde. Fait que là, du jour au lendemain, je peux plus voir personne. Fait que, ça. En général, ça va bien. Mais ça arrive des fois, mettons, une couple de jours que, genre, on dirait, je me mets à paranoïer un peu. Puis, genre, là, tout me gosse, je me gosse, c'est-tu. Puis, après ça, je reviens, puis c'est correct, là, mais. Ça va ouais. Prendre une petite gorgée de sauce piquante, puis ça va faire la. La sauce algérienne que tu m'as amenée, je l'ai ouais. Mangée en moins d'une semaine au complet. Ah, t'es-tu sérieux? Ça, je peux pas. Ah, c'est mais. Boum! Je vais en retrouver, mais t'en racheter un pot. Ça va prendre un format Costco pour vrai, parce que il en prend bien trop, là. À chaque repas, il. Avec ses toasts le matin, genre. Ah, oh, ouais? Oui. Oh, ouais. Même à cuillère, il se faisait des cuillères. Voyons donc. C'est dégueulasse. Ouais. C'est banal de manger de la mayo à cuillère. Ah ouais, mais c'est pas qu'il est tout en sueur parce que genre. Ouais. C'est drôle. Mais t'as racheté un pot de GF, ça vaut genre 3-4 piastres pour elle. Je le sais que pour 3-4 piastres, ça te fait plaisir en tabarnak. Transfère-y un 100 piastres là, pour avoir une. Moi, t'as acheté une caisse. Ça peut aller dans le frigidaire ou ça peut aller. Quand c'est pas ouvert, c'est pas ouais. D'être réfrigéré, ouais. Dans le fond. C'est juste aussitôt que tu ouvres le genre le petit genre de. Ouais. Le truc qui. Vous savez de quoi je parle, le petit papier? Quand ça l'ouvre, là? Ouais. le shit pour faire splouch. Ouais! C'est ça, le shit pour faire splouch. Exact. C'est le mot marketing. Sinon, genre, j'essaie de penser à Thierry pour refaire le casse en québécois. Mettons, s'il ferait un remake, pas un remake, c'est une adaptation de Breaking Bad, mettons, genre, au Québec. Vous verriez qui, mettons, des acteurs? J'ai pas vraiment écouté Breaking Bad. Ça peut être autre chose. Avez-vous vu How I Met Your Mother? Faut pas arrêter avec les astuces de remake, là. On est capable de créer nos propres affaires. Non, je sais. C'est déjà qu'ils voulaient refaire Brooklyn. Brooklyn Nine-Nine, ben, c'était pas officiel, ça. Ouais. Ah, c'est fait, ça. Vraiment, c'est déjà tourné. Ben, non, mais. Il crée des affaires originales. On est capable, à la place de faire une copie cheap de ce que les States font. Mais, ça pour répondre plus à cher. Question, Walter White, je mettrais, je pense, un genre de. Peut-être Rémi Girard. Hein? Encore. Ouais, c'est pas bon. Jesse Pinkman, j'irais avec. Isaac. Antoine Bertrand. Hey! Après ça. Non, Jesse, man, tu crises Christo, est-ce-tu? Antoine Bertrand, après ça, celle qui faisait Mao dans les Bougons, puis la mère des Bougons pour faire les autres personnages. Ouais, les Bougons, genre. Tous les personnages sont joués par la petite Asiatique. Ça serait des BS. Ça serait writé par François Havard ou Jean-François Berthier. C'est les Bougons, genre. Non, mais tu mettrais qui, mettons, l'officier de police, là, le genre de beau-frère? Tu sais, le rasé? J'ai vraiment en tête un personnage qui est encore dans les Bougons. Mais faisait la botte dans les Bougons. Mais voyons. C'est la vraie réponse. Bon, je pensais que ça serait un meilleur moment que ça. Finalement, il y a juste Jeff et moi qui ont du fun. C'est mon moment préféré. Bon, ouais. C'est juste les Bougons. Non, mais la question est pertinente. Par exemple, Marco, c'est, vous pensez quoi, justement, de toutes ces reprises-là en format québécois? C'est... Marie, tu dis c'est pour sauver de l'argent? Ben, je sais pas. C'est une piste que j'avance, là, parce que... Non, mais c'est le temps d'écriture, c'est brillant. C'est de la réécriture, mais ça doit être moins long réécrire que d'écrire un concept de A à Z. Là. Ben, c'est... Fait que tu sauves de l'argent, c'est sûr, certain. Là. C'est aussi, pour les producteurs, ils voient un aspect de sécurité. C'est un show qui a pogné au stint, fait que ça a plus de chances que ça... Il y a comme la publicité qui se fait automatiquement. C'est comme Brooklyn Nine-Nine qui a été refaite au Québec. Mais je dis, tout le monde a le référent. Hey, c'était vraiment drôle. C'est sûr que je vais regarder le premier épisode, voir c'est quoi. Fait qu'ils vont aller chercher une audience. Puis là, si c'est bon, ben ils vont garder tous ces gens-là, tu sais. Fait que t'as l'aspect, ça a déjà été fait, puis ça a été un succès ailleurs, tu sais. Mais c'est sûr que pour les créateurs d'ici, ça serait le fun que... ce soit des créations. Oui, il y en a des gens là, qui envoient des projets, c'est juste. Parce que l'affaire, c'est que tant qu'à divertir un peuple de colonisés, pourquoi être original? C'est ça, en fait. Mais voyons. Mettons qu'on ferait l'inverse, là, si on amenait la petite vie au States, ce serait. Ça, il y a aussi ça, là. Comme, c'est comme ça que je t'aime, là, ça va être sûrement traduit. Pas traduit, par contre, mais
adapté dans vraiment beaucoup d'autres pays, finalement. Fait que c'est cool aussi de rayer à l'international. Un gars et une fille, ça a été partout. Ouais, c'est oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis c'est le même qu'on a connu Jean Dujardin, je pense, un gars et une fille. Ouais. Je suis pas contre, mais je pense juste qu'il faudrait, devrait y avoir un plus petit pourcentage d'adaptation par rapport aux créations. Peut-être. Mais surtout pour les gros réseaux. Tu sais, comme mettons TVA, je veux dire, ils ont de l'argent, tu comprends? Ils peuvent te permettre de guesser, hein, on va... D'investir dans une fugueuse. Ils peuvent se permettre ça. Ouais, la fugueuse indienne, Steve. Hein? Excuse-moi, j'étais tellement coupée. Non, mais... C'est pas si drôle. C'est vrai, non, mais... Ils peuvent, tu sais, je veux dire, là, ils font beaucoup de valeurs sûres, tu comprends? Avec les mêmes auteurs que ça pognait le show d'avant, les mêmes ci, ça. Mais il devrait avoir comme une portion que on y a plein de nouveaux créateurs, tu sais, qui sont bons, tu sais, mais c'est juste que quel show ils ont fait. Genre moi, hein. Effectivement. Quel show ils ont fait? Ils ont rien fait, mais. Encore, mais. TVA, allô? Mais Carole et Manon pourraient être exportées. À TVA, je pense pas. Carole et Manon, le talk show serait pas le talk show. Ça serait malade. Ça serait dégueulasse, ça ressemblerait à Timmy, là. Ah, oh. Bon, ça, je l'ai jamais vu, mais j'ai jamais eu envie, honnêtement. Dans le groupe Claude Meunier, vas-y. Là, mais non, il est excellent, Claude Meunier. C'est pas ça, c'est juste une entrevue. C'est juste une mauvaise idée, là. En personnage, pas sûr. C'est parce que Claude Meunier, aussi... Ben, j'ai où, comment... Tu sais, t'es comme... Ah, ben, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est un poubelle à soir! Mais c'est parce que, aussi, ça vieille mal un peu, genre, ce que Claude Meunier fait. Ouais. Genre, c'était comme... À l'époque, c'était de shit, puis c'était fucking bon, mais, tu sais, c'est pas dans l'air du temps tant que ça. Là, c'est un peu ringard, fait que, genre, ça peut être deuxième degré, mais, genre... Je sais pas, honnêtement, tu sais, comme les voisins, ils viennent de ressortir, ben, ils viennent de ressortir la pièce. Ouais. Ça jouait les dernières années, là ça doit pas jouer en ce moment, mais c'était encore bon, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. Mais Timmy, je pense que Marielle a raison, tu sais, c'est un personnage qui aurait pas dû faire des entrevues. C'est juste ça, je pense. En entrevue, tu sais, t'as besoin de créer de la complicité, là. Tu veux pas que la personne elle ait peur de répondre. Moi, j'ai déjà fait des entrevues à Bien Femme d'époque, puis juste ça fuckait le monde, là. Mais c'est vrai, tu sais, puis j'allais interroger des humoristes. Moi, je pensais qu'ils allaient embarquer dans mon univers, puis non, ça les désarçonnait complètement, là. C'est ah, c'est clair. Comme Chris, c'est ris-tu de moi? Ouais, c'est moi un peu. Es-tu schizophrène? pourquoi t'es habillée de même? C'est-tu un concept ou? Ben, c'est parce que moi, je jouais au théâtre l'été. Je sais pas si Isaac t'a connu Amos vous raconte son histoire, mais je faisais partie de la troupe, puis je jouais une femme d'époque, puis je faisais aussi, je couvrais toute la région, tous les festivals pour différents médias. Puis là, ben, tu sais, j'étais toujours poignée à me déshabiller vite fait entre deux jobs, puis à un moment donné, j'ai décidé juste de faire mes entrevues en femme d'époque. Je me suis créé un petit concept on the side, puis là, c'était un concept de temps dans mes entrevues. Mais ouais, c'était vraiment juste pour sauver du temps. Là, c'était weird, finalement? Ben, ça dépendait avec qui. Regarde, Daniel Grenier, lui, il a embarqué à fond, là. Oh, mais, tu sais, je pognais du monde un peu plus coincé. Des fois, c'était plus difficile. Ou, tu sais, étrangement, mais souvent, c'était les finissants de l'École nationale qui avaient peut-être plus la misère à embarquer dans mes concepts parce qu'ils n'avaient peut-être pas assez d'expérience d'entrevue aussi. C'est pas donné à tout le monde. Tu peux être un super bon artiste, mais tu sais, être intéressant à la caméra en entrevue, c'est pas donné à tout le monde non plus. Wow, ça, je l'ai appris aussi. Tu sais, c'est pas parce que quelqu'un gagne sa vie à la télé qu'il est forcément bon en entrevue. Fait qu'il faut donner toutes les chances. Ce serait qui, mettons, le pire que t'aurais eu? Le pire invité? Ouais. Jonas. Jonas, en ouais? Ah oui, la petite princesse! Ah oui, je l'avais pas aimé. Ah oui, c'est... Ouais. Il avait accepté mon entrevue parce qu'il pensait que c'était à la radio. Puis quand il a vu la caméra, là, il se trouvait pas assez beau. Puis c'est genre, non, c'est. Il avait son costume. Comment? Il était en costume? En costume. costume d'époque. Ah oui! Non, même pas. Non, ça. Il a même pas eu ce froid-là. Non, j'étais en sorteuse chronique. Mais non, il était juste antipathique, tout simplement. Ouais, trop de cul. Trop de cul. Ouais. Ouais, vraiment trop de cul. J'étais allé à son resto, là. Quel trou de cul? Il y avait un resto, là? À Montréal. Ah, ouais? Oui. Le moment qu'on insulte gratuitement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Aucun demande d'autre. C'est quelque chose que je comprends pas. Pourquoi il y a autant d'artistes qui veulent un resto ou un bar? Hé, hey, tabarnak. C'est payant. Mais moi, t'es pas payant. Un resto, non, là. T'as investi ta vie, là. Mais mettons un Subway.
Ouais, mais il n'y a pas de grands artistes qui veulent avoir un Subway. Là. Le gars, mettons un Subway, tu veux aller au Subway de gueule. Ouais. Mais c'est parce que. Mais c'est parce qu'un resto génère pas assez d'argent, à part c'est une chaîne pour dire que tu peux permettre de payer quelqu'un pour le gérer à ta place pour pas être là. Fait que genre. Faut-tu là pareil un peu sinon quelqu'un va te voler, c'est sûr. Là. Oh non, c'est clair. Les employés volent du jus d'orange, volent du lait au chocolat. Ben, c'est sûr, tout le monde. 2 $ à la fois, là, ça monte vite, t'es mieux de checker tes affaires. Ben, aviez-vous été au resto de Stéphane Rousseau? Non. C'est comme plein de Madame Jagger dans le resto. Hein? C'est pas malaisant. C'est à Boucherville, on a fait la même. Ah oh, ouais? Ouais, j'étais venue faire du tourisme dans le coin et j'avais été au resto de Stéphane Rousseau. Ah, j'ai jamais entendu parler. C'était-tu bon, la bouffe? C'était moyen, si je me rappelle bien. C'est peut-être pour ça que ça existe. On fait juste bâcher tous les restos de tous les autres. Moi, je suis allé au resto de Guy Lafleur une fois. Ah ouais? Puis... Ah, il y avait un resto, là? Ouais, ben c'est. Je pense que c'est proche de Sainte-Thérèse dans ce coin-là. Puis ben c'est comme une cage au sport. Mais Guy Lafleur, il est là. Ah ouais, il est là. Mais moi, il était là quand je suis allé. Hein. Puis il a dit allô. Mais tu mets ça en dedans? Des ailes de poulet, de la sauce, puis des écrans géants. Avec un petit monsieur qui est comme, je vais au hockey, puis là, je suis rendu sénile. On fait juste vraiment insulter tout le monde. Vanessa n'est pas d'accord. Hey, c'est non, qui? Il était pas cédé, par exemple. Mais non, c'est sûr que juste non. Je sais même pas c'est qui Lafleur. Ouais, moi, c'est il était bon, mais il a l'air cave. Ah. On vous aime, Monsieur Lafleur. Ouais, on aime tout le monde, finalement. Mais... J'espère, Monsieur Lafleur, que vous allez mourir du COVID. Ah! Sinon, c'est qui que vous trouvez le plus laid, physiquement? Ah! Dans qui? Georges Larac. Dans tout. Non, c'est pas vrai. On va y aller précis, là. D'un série jeunesse québécoise. Mais non, c'est pas ça. Non. C'est qui, hein, mon Dieu? Ça nous... Non. Ça déborde. Non, ça n'a pas été de sens. Aimeriez-vous ça jouer dans l'APA 2? Oui. Ouais. Ouais. Non. Il y a la page dedans. Ouais. Oh, c'était mauvais, ça. C'était dégueulasse. Je l'ai pas fini, ce film-là. Vous étiez-vous rendu à la fin? Même pas sûr, là. Ouais. Non, j'ai écouté deux fois. Ta gueule! Mais voyons donc. Ça, Camping Sauvage, je trouve que c'est vraiment dans les comédies québécoises qui me font rire. Moi, Camping Sauvage, c'est bon! Oui, ben oui! Camping Sauvage, on va l'écouter ce soir. Ah ouais? C'est une bonne idée, ça, moi aussi. Ouais. C'est... Ah oui! Je me rappelle l'avoir vu au cinéma quand j'étais jeune, j'ai vraiment aimé ça. Mais bon. Je sais pas à quel point je vais trouver que ça a bien vieilli. Genre, pour vrai, ça a mal vieilli, clairement. C'est ça que oui. Avec un petit joint, là. Ouais, j'avoue. Il y a Sylvie Moreau dans le film. J'adore Sylvie Moreau. Elle est super ouais. Bonne. Non, ouais, ouais. Puis le bonhomme qui se construit son cercueil, je me rappelle bien. Ouais, c'est vrai. Il y a des beaux personnages dans ce film-là. Ah, c'est vrai. Puis t'as Sylvain Larocque qui fait un biker. Ah oui! Ouais, je me rappelle pas. Ouais, puis les motards qui sont... Oui, c'est vrai. Ouais, t'as les Denis aussi, je pense. T'as les Denis, ouais. Tout le monde est là. Non, il n'y a pas de respect. Il y a tout le monde, là. Ouais, il y a Guillaume Lepage. Dans quel film que vous auriez aimé jouer de ce type-là, tu sais, comédie québécoise, là, qui est devenue un classique? Hey, La Grande Séduction. Ah oui? Oui, mais comédie. Quel personnage? C'est drôle, ça. Ben oui, c'est drôle. Oui, il juge. Hey, j'ai tout le temps de choisir, genre, mon propre film. C'est quoi les comédies, là? Mais il y a plein de comédies. La Liste de Schindler. Nuit de noces. Elles étaient 5. Mon Dieu, nuit de bon, ouais. Ça, là, j'avais tellement ri. Juste, ah. J'avais ri. Mais non, j'avais ri. Moi, je trouvais ça bon à l'époque, là, quand c'était sorti. Ouais, c'est ça, à l'époque. Là. Ouais, j'avais trouvé ça bon aussi quand c'était sorti. Oui, c'est bon. Le couple de Diane Lavallée, puis... Ah, oui! Eux autres, là, ça, c'était drôle, là. Qui écoutent les conversations sur le téléphone, là. Non, c'est des gens qui font juste s'envoyer chier tout le long, tu sais. Les deux, puis là, il y avait leur chien Poupou, je pense. Oui. Poupou, reste à moi, puis là, genre, c'est... Ah oui! OK, là, on est dans Nuit de Noce, mais excuse-moi, j'étais restée sur La Grande Séduction, là, jusqu'à Jepu. Oui, oui, dans Nuit de Noce, oui, effectivement, la séparation, puis le chien, c'est très drôle. Oui. Il y a Elvis Gratton, puis Cruising Bar aussi.
Ouais. Ça serait tout. Ouais. Les boys non, aussi. Pourquoi le deuxième? Parce qu'on est en France, puis ça t'aurait fait voyager. Quand je joue dans un film, m'a voyagé. Il y a la petite québécoise là-dedans. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais le premier était bon. Le premier était fucking bon, les boys. La scène, ouais. La scène d'ouverture, ça look quasiment comme un Tarantino, assis dans le bar avec la fille qui amène les drinks. Là, puis, genre, j'ai vraiment ça, le goût de réécouter. Ouais. Ouais. Non, c'était fucking bon. À part. On est trop fiers des boys. Ouais. Ça, c'est fort. C'était fucking bon, à part le style de. Il était une fois les boys, genre, qui est comme un prequel. Ouais. Qui ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Genre, je sais pas. Il a joué dans L'Odyssée d'Alice Tremblay. Ah oui! Ah ouais! J'ai pas vu ça? Dans Monica la Mitraille. J'ai pas vu ça non plus, pour vrai. Non, je sais pas, on fait juste de tous les titres qu'on se rappelle. Vieux titre, là, sorti, genre, des bouts de la Mitraille. La Florida. La Florida. Ben ça aurait été bien pour moi. Ça aurait été mon casting, on dirait. Ouais, ah ouais. Oh, ouais. Je sais pas, moi, au début, le film Aurore, l'enfant martyr, c'est le plus récent. Ouais. J'avais eu le trailer au cinéma quand j'étais enfant, j'étais convaincu que c'était une comédie. Pour de vrai. Parce que le trailer. Non, oui, c'est vrai. Parce que je l'ai retrouvé, ce trailer-là. C'est parce que je pense que t'as Rémi Gérard puis une gang de Hélène Bourgeois avec la. Ouais. Non, mais dans le trailer, ils vont juste jaser sur le balcon. Puis ils disent des jokes. Tout le long du trailer, ils disent des jokes. Ah oui, c'est vrai. Puis à la fin du trailer, t'as juste Aurore qui passe. Oui, c'est vrai. Silence. Hein? Avec du recul, ce qui est que c'est parce que tout le monde ignore le problème. Mais quand t'écoutes juste le trailer comme ça, enfant, mettons, ça a l'air drôle. C'est vrai, je me rappelle. C'est genre juste comme une note de piano là, qui jouait pendant qu'elle avançait. Mais là, c'était pas drôle. C'était bien pas drôle, la petite crise. Mais quand j'étais au secondaire, j'ai joué Aurore l'enfant. Mais pas moi. Le rôle de sa vie. On a fait la pièce Aurore l'enfant martyr, mais en comédie. Mais voyons, terrible. Mais voyons. Ça a été mal. Mais quelle mauvaise idée. Non, mais attendez, c'est parce que vous avez pas vu le texte, OK? Le texte de cette pièce-là, ça peut pas. Là. Tu sais pas, on le faisait même dans Germain. Ouais, c'est vrai. Puis... Nous, si on avait une comédie avec Aurore, il faut l'avouer. Oui, c'est ça. On l'a repris. Mais c'est parce que quand on répétait, on était incapables. En plus, c'est Louise qui a fait ça. Bouhou. Ouais, c'est ça. Puis. On n'était pas capable de pas rire. Fait que là, genre. Puis... C'est devenu une comédie. À chaque point. Oui. Elle se brûle les mains sur le pot. Nerd! Non, mais. Mais ça burn this! C'était bien amené, là. Tu sais, juste dans la. Ouais, j'en doute pas. Mais c'est quand même drôle sur le papier. C'est comme idée, ouais. Là. Ouais, j'aimerais beaucoup savoir ça. J'aimerais Est-ce que ça a été filmé? Non, c'est ça, je sais pas. Ah, OK. On l'a refait. On refait ça à soi. On le fait! On a un projet. Ouais, on a un projet. Aurore, l'enfant martyr. Puis ce serait quoi, mettons, all around? Mettons, ça peut être dans n'importe quel pays, la meilleure comédie, mettons, que vous considérez avoir vue? Moi, ça reste le dîner de cons. Ah, ouais, c'est ça, j'avais bon, dans la tête. Puis il me semble qu'on a bitché les films français tantôt. Là, je vais avoir l'air incohérent. Moi, j'aime c'était vraiment. Bon, hein? Ouais, c'était bon. J'ai l'air d'avoir bitché les français, mais j'aime vraiment les français et les films français. Ah, ouais. Moi aussi. Mais la version des States doit être meilleure. Non. Hey, moi, j'ai l'écouté au point 1000 fois. Je regarde les vidéos. Je n'ai. Mais tous les films avec Jacques Villeray aussi. Jacques Villeray, c'est un homme incroyable. Ouais. Puis tous les films de François Pignon, là. Tu sais, comme il y a Le Placard aussi. Ouais. L'Emmaison. Tu savais que François Pignon, dans le fond, c'est un gars, genre, dans le fond, c'est le dude qui a réalisé le film, sa femme le trompait avec un dude qui s'appelait François Pignon. Hein? Fait que dans tous ses films. Dans tous ses films, l'idiot s'appelle François Pignon. Ben oui, c'est toujours ça le concept, mais j'avais. C'est bien drôle! Ouais. S'était fait tromper avec. Et ça, c'est drôle. Ouais. Oh, wow! Mais quelle vengeance! Ouais, c'est drôle en tabarnak. Ah non. Mais il y a un autre truc que j'aurais aimé jouer aussi, c'est Augustine dans 8 femmes. Ça aurait été mon plus grand rêve. Mais tu l'as fait. Ouais, mais pas dans le film, là. Ma mère l'a fait. Tassez-vous. Tassez-vous. Ma mère, j'ai c'est intéressant, ça. Ouais. C'est un peu cheap, 8 femmes. Dans le fond, c'est une comédie musicale. J'ai pas vu. Non, mais j'ai pas vu, en plus. Ben, je pense pas que t'aimerais ça, là. T'es peut-être pas le public, ça. Ouais, c'est vraiment quétaine, mais quand j'étais plus jeune, parce que le rôle d'Augustine, c'est vraiment bon, là. Ouais? Ouais. Ouais. Pourquoi elle? Ben, c'est une femme vraiment désagréable, là, qui est comme... Ben, c'est la lettre, là? Non! Non! C'est Isabelle Huppert, la plus grande actrice Non, mais il y a un personnage dans une femme que c'est la lettre, là. C'est celle qui est pas belle, c'est-tu? Non. Que toutes les autres sont totalement vides, mais c'est elle qui a la... Ah oui, c'est vrai! Ben oui!
Ben, mais la LED ou la... Ah oui, c'est la LED. Ben oui, c'est moi la LED. Ah. C'est le personnage qui est cool, par exemple. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, elle est parano, puis... Pour vrai, c'est aucunement invitant, genre ma description de cette affaire-là. Ben, je me rappelle juste qu'il y a une chanson qui s'appelle, que tout à l'heure, c'est genre « Toi, mon amour, mon ami », puis ils font ça avec leur main. Mais où es-tu, papa? Mais où es-tu, papa? Non, ça, c'est pas, de c'est pas celle-là. Ça, c'est la écoutez pas ça. Écoutez pas ça, papa. C'est malade à quel point ton opinion. Finalement, c'est de la style marde. Sauf Isabelle Huppert. Ouais. Les gars, aviez-vous une réponse? Ouais. Ben c'est moi, penser, vas-y. Mais c'est parce que là, tu n'as pas répondu à la bonne question. Ouais, je voulais juste parler de ça. C'était une comédie qu'on a vraiment aimé, ça, c'était la question. À travers le monde? Ouais. Ah, la dîner de con. Ah, c'est vrai. OK. Fait que toi? Ben moi, c'est parce que c'est pas vraiment une comédie, mais c'est dans les films que j'ai ri fort au cinéma, puis c'est 8 for 8. Ouais. Pas sûr d'avoir aussi. C'est Tarantino. C'est un espèce de semi-huis clos, si on veut. Mais les gags qui sont dedans sont vraiment drôles. Fait que c'est pas, j'ai pas, c'est pas... Comme c'est des Tarantino, c'est des killers, ces gags. Non, c'est ça. J'ai pas mais c'est legit juste de la violence, ces gags, dans ce film-là, en plus. Ben oui, c'est juste le coup de coude au début. Ouais. Après ça, je suis parti à rire fort au cinéma. Là, parce que tu le vois pas venir, là. Ouais. Oh, ta gueule! Ça saigne! Ah, puis la scène à la quand fin. Elle, elle crache sur la lettre de Samuel L. Jackson. Genre, qui adore quand elle tombe en bas du chariot. Ah oh, ouais. Puis que... C'est intéressant, ça. Non, mais c'est... C'est vrai, c'est drôle. C'est... Le film est vraiment plus long que les Tarantino. Mais je veux dire, plus long. Il y a moins d'action, je te dirais, que dans les Tarantino, dans les films en général. T'sais, normalement, il y a quand même un pacing qui est genre, tu sais, t'as quand même beaucoup de dialogue, mais... Dans celui-là, mettons, ça prend quasiment une heure et demie avant que vraiment il y ait de l'action, à part la scène du coup de coude au début. Mm-hmm. Mais genre, comme la fin est insane, puis il y a comme une coupe de scène, t'es comme tabarnak, ça n'a pas de calice de sens, mais c'est vraiment le fait que c'est la violence qui est drôle dans ce film-là, là, plus. Ouais. Mais ouais, moi, honnêtement, c'est probablement un dessus de Tarantino que j'ai le moins aimé, je te dirais. Ah ouais. Ben, je l'ai pas haï. Mais genre c'est genre le film que j'ai écouté une fois puis genre je suis satisfait avec l'avoir écouté une fois, tu sais, en général Tarantino je vais finir par les réécouter pareil vu que je suis quand même fan, mais ouais, sur celui-là j'ai moins trippé un peu. Avant de l'écouter, c'était quoi tes attentes? Est-ce que tu pensais que ça allait être un film de Tarantino saignant et sanglant comme d'habitude? J'avais des attentes parce que je suis fan, genre, mais je pense que c'est peut-être plus l'époque qui me parlait moins. Parce que son dernier, Once Upon a Time in Hollywood, genre, tu sais, il est quand même lent aussi, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais ça se passe à la fin des années 60, tu sais, puis esthétiquement, musicalement, moi, c'est les années qui, genre, qui me parlent plus, mettons. Fait que c'est peut-être plus l'époque qui me parlait moins, genre. Ouais, pas. L'espèce de 2 ans après la guerre de sécession, à peu près. Ouais. Alors, je fais bien, mais je sais pas, moi, Tarantino, j'ai de la misère à les mettre en ordre de préférence. Là. Je trouve tout qu'il y a un petit quelque chose. Le dernier, à chaque fois qu'il en sort un, je me dis que c'est à peu près lui le meilleur. Là. Ouais. Mais mettons, en choisir un qui est over the top, ce serait Pulp Fiction. Ouais. Ouais. Pourrait pendant un bout, on dirait que je le boudais quasiment ce film-là. C'est parce que je l'ai tellement écouté souvent qu'à une année, j'étais comme « Ah, Chris! » Puis là, ça devait faire 5 ans que je ne l'avais pas écouté, puis je l'ai écouté avec Jasmine dernièrement. J'étais comme « Tabarnak, man, c'est insane, ce petit film-là, pour vrai. » Mais moi, je pense que mon préféré, c'est « Inglourious Basterd », pour vrai. Genre, c'est pas celui-là que j'ai écouté le plus souvent, mais genre... En tout cas, il est magnifique, ce petit film-là. Là. Il est insane. Fait que, Isaac, t'as-tu passé une comédie? Là, en ce moment, c'est vraiment laid, okay? je pense. Parce que moi et ma père, on est vraiment adeptes de films des années 90, genre vraiment laid, ok? Ah ouais? On rit de tout ça parce que c'est tellement mal fait. Puis un des films qu'on a le plus ri, je pense, ça s'appelle Courrier du cœur, ok? Okay. C'est quoi ça? La grosse c'est merde. C'est vraiment la grosse merde. C'est avec qui déjà? Avec Brendan Fraser. Ah oui, tu sais qui? Ouais. Oh, ouais. Ouais, ok. Ouais. C'est parce que tu sais, c'est comme une époque, genre, les personnages se peuvent pas. Tu sais quoi, le film récemment qu'on a regardé, là, les filles qui regardent en haut la plateforme? Non, non, non. Ah, ça va, bon. Qui espionnent, genre, le gars en bas, là. Ah, oh, la plateforme? Non. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai aucune mémoire pour rien, finalement. Les top modèles, là. C'est ça, la plateforme.
Ils ont de la bouffe, là, puis à la fin, il n'y a plus de bouffe. C'est pour ça qu'ils sont trois pour venir à bout d'une histoire. Chacun des morceaux. Oui, la plateforme. Mais j'essaie de revisualiser, puis là, mon cerveau ne fonctionne pas pour trouver comme le film de comédie. Mais il y a Romy et Michel sont les reines de la soirée. Ça, ça c'est mon, un de mes plus grands succès. Ceux qui sont. Vous, ça, vous connaissez ça? Ça me dit quelque chose aussi. Non, je ne connais pas. C'est deux grosses connes qui font le retour à la secondaire, mais sont vraiment losers. Fait qu'ils se disent qu'ils vont faire semblant qu'ils sont des femmes d'affaires, puis que pour se penser hot, ils disent qu'ils ont inventé le post-it. Fait que tout le long de retrouvailles, c'est juste comme ouais, moi j'ai inventé les post-it. C'est Michel qui a inventé la colle. Ouais, qu'est-ce que tu as fait comme procédé pour inventer la colle? C'est juste ça. Là, ils arrivent, c'est fou de pas le rôle, on dirait. Là, ils arrivent, mettons, au restaurant, puis ils font bonjour, nous sommes des femmes d'affaires. Est-ce qu'il y a un spécial femme d'affaires? Ça, c'est, ça me fait rire. Des fois, quand je vois quelque part, je dis que je suis une femme d'affaires. Pour rire. Puis je dis bonjour, avez-vous un drink pour les femmes d'affaires? Jamais ça! Oui, on a fait non. Ça. Oui, on a fait ça pendant longtemps, mais en fait, comme la femme d'affaires qui allait partout avec sa mallette. Tu sais, t'as acheté une mallette? Moi, je vais. Mais ouais. Chris, c'est malade. En fait, je voulais vraiment être une femme d'affaires de théâtre. Et on est allé au bureau en gros, moi et Isaac, s'acheter une mallette. Parce qu'il y avait un gars qui voulait nous donner. Un gars que j'avais rencontré, il voulait nous donner 100 000, c'est ça? Oui. Il voulait tu fournissais donner... la mallette puis il te l'emplissait. Fait que, ouais, moi, je voulais. C'est un gars, tu sais, le genre de gars qui te fait un chèque, là, qu'il faut que tu endosses pour lui, là. Ouais. En tant que femme d'affaires, je pensais que c'était un bon deal. C'était vraiment cool. Je suis allée m'acheter une mallette pour faire semblant que j'étais une femme d'affaires. J'ai une rencontre. Ce serait mal que tout ce que tu traînes dans ta mallette, c'est ton booster pack, genre. Ouais, exactement. Genre. Mais le pire, c'est que je me suis fait voler ma mallette. Ben non! Oui. Puis y avait-tu quelque chose dedans? Ouais, il y avait toute ma compagnie. Mon ordi, puis toutes mes impôts, puis toutes mes factures de genre de ça. Toi aussi, tu t'es fait voler tes impôts? Ouais. J'avais laissé un ordi comme une balconne dans un. Puis tout était dedans. Fait que pendant près de deux ans, j'ai retracé les impôts des deux dernières années. Oh, tous les numéros d'assurance sociale. Ah, oh, tabarnak. OK, je pensais que c'était une joke au début, toute ma compagnie. Mais... J'étais vraiment. Ouais, moi aussi, je pensais que c'était une joke. Une femme d'affaires, là. Wow. mais t'avais une business? Ouais, j'ai eu à peu près 3-4 compagnies de théâtre. Ah, ouais. Ouais, je les ai fermées cette année. Ça a été vraiment. Ça fait du bien. Est-ce qu'on peut connaître le nom de ces compagnies-là? C'était quelque chose de super créatif? La première, c'était Troupe Leitmotiv. Tu sais, on a réalisé que c'était vraiment laid d'appeler ça Troupe. Ça faisait très amateur. Fait qu'on l'a changé pour théâtre, parce qu'on voulait toujours être dans un souci de professionnalisme. Ouais, bien sûr. Mais là, avec ça, là, on a fait de la merde. Tu sais, comme à un moment donné, on voulait écrire le prix des billets de théâtre. On était gelés. Fait qu'au lieu de peser sur taxes incluses, on l'a pas pesé. Fait que finalement, ça nous a coûté 1 000 $. Il y avait aussi, à un moment donné, j'avais pas vu, il y avait 1 000 $ de sécurité. Tu sais, j'étais pas vraiment une bonne femme d'affaires, là. Vraiment, ça m'a genre coûté 10 000 $, là, cette histoire-là. Fait qu'il y a eu théâtre. Ben voyons donc. Il y a eu théâtre, je te jure. Il y a eu théâtre à l'affiche. Il y a eu Les Pêchées Mignonnes. Il y en a un autre, tu sais, mais je l'aime bien, celui. Il y a eu Les Ébobies. Les Ébobies. Nous, les compagnies de théâtre, là, c'est une après l'autre, ben ça marche pas. On les ferme toutes. On les garde toutes ouvertes et on fait jamais nos impôts. Ben, avez-vous produit pas mal de pièces? Oui, quand même. Ben, avec tant de motifs, on en a produit 4. On louait l'espace libre. Mais tu sais, c'est ça, c'était tellement plein de naïveté. Là. Ouais, t'avais fourré à l'espace libre. OK, je pense qu'on vient de vivre quelque chose. C'est malade en plus que lui il dit ça tout fier, puis c'est clairement pas lui qui a fourré avec. Je sais pas. On a dormi à l'espace libre. Ah, oh, il y avait de quoi de fou. On faisait le party dans le décor. T'sais, on était comme des jeunes, là, nous, là, qui savaient pas qu'on louait l'espace libre pour foutre la merde. Puis là, on est en train de faire le party durant la nuit dans le décor de l'espace libre. On ouvre la porte, puis il y a comme 15 punks. Mais tu sais, des real punks, là, tu sais. Ouais. Avec des crêtes vertes. Puis là, on est comme... on suce les punks. Non, mais ça fait, c'était vraiment genre, puis là, ils arrivaient avec leur chaîne, puis là, on était comme, merde. Tu mets des tops en dedans, tu sais, puis là, tu... Mais non! Oui, puis là, il y a un petit con qui a pris le micro, puis il était comme, décolle-se! Puis là, on était comme, on veut pas de merde, là! Ouais. Tu sais, c'est mon nom, là, qui a signé pour l'espace. C'est à moi que ça va coûter cher. Ils commençaient à être agressifs, ils voulaient plus sortir, puis tout. On a fait tellement de parties, puis là,
on avait été chercher à son ancienne école secondaire, tu sais, des gros matelas bleus, là. Oui, oui, oui. Matelas de gym, là. Ouais. Il y avait une cascade qui n'a jamais eu lieu, finalement. Puis, on avait un gros matelas bleu dans les loges pendant comme tout le long du show. Puis là, finalement, nous, on a fait tellement de parties, moi et Pierre, qu'on pouvait pas prendre notre chambre. Fait qu'on a dormi dans la loge. C'est le concierge qui nous a réveillés le matin. Ah, oh, tabarnak. Ouais, c'est des vrais acteurs, ça. On n'était pas très professionnels, finalement. Ouais. Mais on aspirait au professionnalisme. Oui, ouais, ouais. C'est ça, des acteurs. Et j'avais une mallette. Ben oui. Oui. Sinon, je sais que vous avez travaillé pour le village de Noël, genre... T'entends... T'as entendu Marie-Pierre compter une couple d'anecdotes au podcast 70%? Là, ça avait l'air quand même... Tu l'as entendu à 70%? Ouais, ouais, j'ai écouté. Ouais. Ça, là, je me suis senti mal au début, là, après. Oh mon Dieu, oui! Quand t'as tout vendu les lettres des enfants. Quoi? Parce que, OK, attends, moi, je suis le Père Noël depuis genre 6 ans, OK? Fait que je fais le Père Noël, genre, dans des centres commerciaux ou, genre, le marché de Laval de Noël. Puis là... Ouais. Il cherchait une fée des étoiles, puis j'ai plugué Marie-Pierre, j'allais tout de suite être la fée des étoiles. Fait que pendant un week-end de temps, nous, on était dans notre petite maison du Père Noël, puis on a vu genre 1500 enfants. Et c'était horrible, on faisait ouvrir la porte, « Bonjour les amis! » Dans ma porte, « Bonjour les amis! » C'était mort de l'intérieur, là. Ouais. C'est clair. Puis il y a plein d'enfants qui viennent voir le Père Noël, puis font comme, « Ah, Père Noël, j'ai genre une lettre pour toi! » Fait que là, je me ramassais avec plein de lettres d'enfants, tu comprends, mais... Puis t'en as, c'est des estis de lettres d'abrutis, là. Je veux un iPod, je veux une nouvelle planète, je veux un robe de princesse, je veux ça! Père Noël, peux-tu sauver le cancer de mon père? Exactement. J'aimerais ça être heureux, c'est année. Ça, je suis comme, ah, ta gueule! Est-ce que tu répondais aux lettres? Mais non, mais... C'est ça, là, l'histoire. Parce que si, mettons, tu voulais avoir une réponse du Père Noël, il fallait que tu ailles le poster ou que le Père Noël réponde à tous les enfants. Ouais, Père Noël pour le nom, H-O-H-O-H-O. Ah ouais. Bien sûr. Les lutins rappeurs. C'est ça, mais là, il y en a qui voulaient vraiment me donner la lettre. Puis là, j'étais comme... Je regardais maman, puis je disais, maman, oublie pas, si tu veux que Père Noël réponde, faut que tu t'apostes, tu sais, parce que sinon, tu ne la recevras jamais. Ouais. Mm. Fait que là, on a eu une belle cagnotte de lettres. Il y avait vraiment beaucoup de lettres. Puis là, le dimanche, je savais pas que j'allais faire encore lundi comme chronique à 70%. Fait que j'ai fait « Ah, il y a les lettres d'enfants, je peux-tu toutes les prendre? » Puis là, ils s'en crissaient parce que dans le fond, on les jette. Ouais, c'est chiant, mon pauvre enfant. Oh mon Dieu. Excuse-moi, Timmy. En fait, on rit de eux, puis après ça, on les jette. Puis les pires, on les agroche sur le plusieurs pour montrer... On va perdre notre job. Là, il y a ça. Fait que là, finalement, j'ai amené les lettres à 70%. J'ai fait une chronique là-dessus. Puis à la fin, j'ai juste comme donné les lettres à l'encan. Et il y en avait... Là, j'ai comme pas réfléchi. Donc avec l'encan, ça s'est comme vendu genre quasiment 100$. Ah ouais? 120$. Mais là, finalement, eux, ils se sentaient mal aussi parce qu'ils étaient comme, on a fait du dos sur... on veut pas faire de l'argent sur le dos des enfants. Fait que finalement, ils ont donné de l'argent à une œuvre de bienfaisance. Bon, on a donné une œuvre de bienfaisance. Qui... Oh, excusez. Mais qui a acheté ça 80$, des lettres d'enfants? Ouais. Ah, ah, c'est clairement un pédo brisé. Là. Je sais pas, mais j'espérais vraiment, en tout cas, que mon boss voit pas que j'ai fait ça. Là. C'est ma première expérience, puis je vends déjà les lettres sur le marché noir. Le marché noir, des lettres d'enfants sur le marché noir. Mais tu sais, en même temps, c'était vraiment plus des. Comme qu'est-ce qu'ils voulaient, mettons. En général, ceux qui donnaient des lettres, là, c'était plus ça, tu sais. Ouais. Mais il y avait des moments, tu sais. C'est vraiment, vraiment fucked up faire le Père Noël. Là. Tu vis vraiment toutes sortes de choses. Là, t'sais. Ah, mais sans doute. Hein. C'est quoi l'affaire la plus weird que tu étais vraiment pas préparée à vivre? Ouais. L'affaire que je n'étais vraiment pas préparée, ben, tu sais, je demande à l'enfant qu'est-ce que tu aimerais ça pour Noël? Puis il regarde sa mère, mais qui n'est pas sa mère, qui est sa belle-mère. Mais je sais pas, puis il dit « J'aimerais ça qu'elle soit plus dans ma famille, elle. » Oh, wow! Puis elle l'entendait, genre? Ben oui, puis là, elle, c'est ça, hein? Elle, ben, c'est comme... juste des malaises tout le temps. Mais hey, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est fou, ça! Mais, c'est souvent flou, ça finit comme pas vraiment de... Viens sur mes genoux! Mais l'affaire la plus drôle, c'est que à un moment donné, t'étais là,
le couple arrive, tu sais, puis dans la petite cabane, tu pouvais comme prendre plus ton temps parce qu'on fermait la porte, tu sais, puis là, il y a comme un couple avec les parents du couple qui sont là, puis ils disent, on aurait ça prendre des photos avec notre bébé, il vient genre de naître il y a 3 mois, tu sais. On fait, OK, tu peux le sortir de ta poussette, tu sais. Mais là, genre, ils me mettent sur moi, puis ils disent, mais tu peux-tu comme y parler? Puis là, je dis, mais y parler, tu sais, je veux... Non, mais tu sais, parle-y. Moi, je vais filmer, puis je vais répondre à la place du bébé. T'as des astuces de trocule. Ouais, ouais, mais c'est un beau moment à vivre, Jonathan, après. Là, oh, mais il est perdu! Puis il parlait à la place du bébé. Ah, non. Ça, c'est non. En plus, ils ont fait une file d'attente de 1h à moins 40 là, pour faire ça. Là. Oui, oui, oui. Tabarnak, man. Là, après, c'était le shooter, une photo qui finissait plus. Genre, juste la mère, le père, la mère, le père, les parents. Le, ça finissait jamais. Là. Hey, à cette heure, on va le refaire, mais avec la voix du grand-père. Oui, je dis, tu sais, ça aurait pu, ça aurait pu. Ça n'a pas d'allure. C'est dégueulasse. Oui, c'est horrible. Ça se peut pas, là, tu sais. Mais c'est quoi? C'était extérieur, mais vous aviez genre une petite cabane avec une chaufferette, je guess? C'est vraiment le fun, tu sais, je veux dire, t'en vas là, il y a plein de commerçants qui sont là pour faire goûter des choses, puis tout, puis là, t'as le Père Noël qui est dans sa cabane de Père Noël pour aller le voir, prendre sa photo, puis tout ça, tu sais. Mais il y a des années qui fait fret en maudit, là, je veux dire, au mois de décembre, fait que... C'est ça. Il y en a qui font vraiment des line-up longtemps, puis après, il se passe des affaires vraiment fucked up. Ah oh, oui, c'est long, là. Puis moi, je fume, hein. Oh. Je fume pendant 15 heures, là. Oh. À dire toujours la même phrase. Je capotais. J'avoue, la fée des étoiles qui se fait des plombs dans une bouteille, c'est moyen en tabarnak. On dirait que c'est ça, on dirait mon casting. Je fais pas ça, là, mais... Non, je sais. Je me sentais vraiment comme une... Une fille des étoiles BS, là. Ouais. Pour des amis, la c'est comme ça. Quoi pour Noël? Oh, c'est tellement... Ben, tu peux pas être off. Mettons, une job normale, tu t'envoies à ton bureau, tu peux genre être bon, ok, je suis plus relax. Mais le Père Noël, il peut... Chaque enfant, là, il s'attend de voir « Oh, oh, oh! » Je comprends. Puis, c'est clair. Puis même le moment où on y va, où tu sais qu'on... Et à tout moment, là, t'es dans ton personnage. Oui, oui, oui. Ah, ouais. Quand tu détruis la magie de Noël. Mais tu sais, mais Billy Bob Thornton dans Bad... Ah, c'est pour ça. Ouais, c'est à ça que ça me faisait penser, Bad Santa. Mauvais Père Noël. Non, mais pas... Non, Billy Bob Thornton, c'est pour ça que le film Mauvais Père Noël, ça s'appelle Mauvais Père Noël. Ouais. Parce qu'il est pas bon comme Père Noël. Il est tout maigre, en plus. Il est vraiment dégueulasse comme Père Noël. Est-ce que vous saviez que le logo jaune, là, de McDo, c'est parce que ça fait comme un M, parce que McDo, ça commence par un M. C'est les reptiliens, man. C'est les reptiliens. Hostie. Ça, c'est vraiment... Bonne semaine. Mais tu penses-tu, Isaac, que ça t'a aidé, genre, pour justement, pour ton rôle de série pour enfants, le fait d'avoir fait le Père Noël? Non. Non? Oui. J'aime tellement ça. Ben non, tellement... Moi, je suis encore avec le M. Ben non, mais moi, je pensais que c'était les arches qui avaient collé. Dans le film, c'est ça qui parle. Mais je pensais pas que c'était parce que c'est le M. Es-tu sérieux? Toi, t'as vraiment... Mais je sais pas. J'ai pas encore, c'est une blague. Ça fait comme 2 semaines. Ouais, mais c'est pas clair. Ah, ça fait 2 semaines que tu parles de ça. Ouais, je suis comme, ouais, mais tout le monde le sait. Non, c'est pas vrai, là. Ouais, oui, oui. T'as cherché des... Ça fait 2 semaines. Tu montres des photos à chaque jour. Ah, c'est Burger King, c'est pour ça qu'ils donnent une couronne. Ouais. Oui, c'est ça. T'as l'air d'être que j'avais pensé. Ah, mon Dieu. Non? Ah, non! Ah, ben, ça arrive des fois, là, genre. Il y a un métier à un moment donné, genre, que je suis pas trop. On sortait d'un dep, puis là, il était comme, genre, hey, c'est cool, pareil, tu sais, il y a quasiment tout là-dedans, puis je suis, mais c'est pour ça, dépanneur. Fait. Hein? Genre, puis tu sais, le gars, c'est pas un idiot, là. Le gars, c'est un gars bright, c'est juste que, genre, il avait jamais pensé. Oh, il y a des révélations de même. Hein? Ouais, oh, c'est arrivé. Mais sinon, le Père Noël, ça t'a aidé là, pour faire ta série. Ah, ben... oh, sûrement, ouais. Mais non. Non. Il a dit non. Non, mais ça paraît bien, tu sais, d'avoir fait le Père Noël pour une série jeunesse. Il me semble qu'il y a une pertinence. Le pédophile de Laval. J'ai coaché le baseball aussi. À la même place. C'est ça, on a reparlé ça déjà. Mais c'est parce que
Comment dire? Parce que, tu sais, comme mettons, oui, ça reste un personnage, tu sais, mais on est plus en. Quand tu fais le Père Noël, t'es en animation, tu comprends? Fait, ouais. De l'animation, c'est vraiment comme de courte durée, puis. Répétitif. Ouais, c'est ça. Il y a, tu sais, je veux dire, en quelque part, les questions sont pas mal tout le temps les mêmes, là, tu sais. Mm-hmm. Mais, tu sais, ça reste un rôle comme un autre, dans le sens qu'il y a comme un cheminement que tu fais, une construction de personnage que tu fais. Puis, je pourrais pas te dire que le Père Noël m'a aidé à faire la série jeunesse. Tu sais, c'est sûr que... puis, de toute façon, la série, mettons, c'était plus âgé que les gens, les jeunes qui viennent voir le Père Noël. Parce que 8-9 ans, me dire, c'est fini le Père Noël. Là. Tu sais, ils savent que... Et c'est la question que je me posais en même temps. Et les enfants croient encore au Père Noël? Si oui, jusqu'à quel âge? Ouais, parce que ouais, me semble que c'est... peur, mais il y a beaucoup de jeunes enfants, mais tu sais, jusqu'à, je te dirais, 7-8 ans, ça croît encore des fois au Père Noël, tout dépendant... Des parents, puis tout ça, tu sais. Parce que des fois, tu vois que c'est le parent qui veut avoir la photo avec le Père Noël, là. Oui, ben c'est toujours le parent. Ben oui, tu sais. Ouais, l'enfant, il veut juste jouer, là. C'est tente pas d'être là et se faire chier. L'enfant, ça lui fait chier, puis il a peur. Mais non, attends, des fois, il a fait venir, là. Il n'y a aucun enfant qui aime ça, le Père Noël. Mais oui, oui, mais quand il arrive, il a peur. Il est intimidé par la... Par Isaac. Mais l'affaire la plus BS, c'est que pendant comme c'était l'année passée, j'étais à la Plaza Côte des Neiges. Puis Plaza Côte des Neiges. J'habitais là, puis j'ai été écœurée le Père Noël. C'est moi qui étais là. Mais non, je pense que je t'aurais reconnu. Mais il était en rénovation, OK? Fait que où qu'on était censé, on était dans le sous-sol de la Plaza en rénovation. Avec les fils qui pendent, avec le monde qui fume du pot puis des tops, genre dans l'entrée, fait qu'il y a tout le temps des drafts de pot puis de tops qui rentraient, avec genre l'animalerie à côté, ça se pouvait pas, là, tu sais. Ah, puis déjà, Plaza Côte des Neiges, je sais pas pourquoi, puis j'ai pas d'odorat, là, je vous jure, mais il y a une odeur à Plaza Côte des Neiges, on sait même pas d'où ça sort, Exactement. C'est indescriptible. Pas de commentaire raciste. Dans le sous-sol. Non, mais je... Chris, j'ai rien dit. Pourquoi dire d'un coup que j'ai pas dit? Mais c'est vrai, il est weird ce centre d'achat-là. Puis il a toujours l'air en rénovation. Mais c'est qu'il finit jamais. Puis justement, là, il est en réno. Puis là, c'était juste du monde qui venait se staller devant le Père Noël, un peu des itinérants, genre, qui nous regardaient, qui nous fixaient toute la journée. Et pendant comme une semaine de temps, il y avait un gars habillé toujours avec un coton ouaté rose qui venait et nous regardait de même. En fixant, puis il fixait pendant 2h30 de temps, il nous fixait. Là, j'ai comme, je pense que... 2h30? C'est long, en tabarnak, là! 2h30? Je pense qu'il y a quelque chose de bizarre, ce gars-là. Ah, il veut une photo! Je me suis fait, c'est vrai, c'est pas vraiment ça, je me suis fait agresser, là. Mais voyons! Ah, ouais? Physiquement? Il y a quelqu'un qui s'en est prêt à toi? Il y a une femme qui arrive, OK? Puis là... Je suis désolé, mais je pensais qu'elle avait un retard mental, OK? Puis là, elle a parlé. Puis finalement, genre, elle arrive, puis finalement, non, elle est vraiment saoule morte, OK? La fille, genre, est vraiment... Là, elle veut prendre une photo. Puis là, elle essaie, genre, d'embarquer sur moi. Puis finalement, au moment, genre, qu'on prend la photo, elle se revire, puis elle me french d'en face, oh, là, tu sais. Non! C'est dégueulasse. J'ai l'impression, genre, en tout cas, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, elle s'en va. Elle est partie voler des affaires de leur amas. Là, j'ai... Mais voyons, c'était The Grinch. Ouais. Là, moi, je suis comme en Père Noël. Le Père Noël, là, il peut pas bouger du site. Fait que le lutin... Tu t'en vas chercher à la sécurité, puis le lutin, tu gères ça, tu sais. Ouais, j'avoue, tu peux pas snapper, genre, hey, tabarnak, là! Mais il y avait pas aussi une fille vraiment weird qui était fâchée parce que le Père Noël t'avait pas donné ses congés pour Noël? Hein? Ses congés? Oui, elle avait demandé des congés à son employeur. Elle les avait pas mis de bois pour porter plainte. Mais non! Mais, ah oui, c'est vrai. C'est la faute du Père Noël si elle avait pas eu de congés. C'était une joke, rassurez-moi. Non, c'est pas une joke! La place la plus weird au monde. À un moment donné, genre, on a vu le sosie de Samuel Jackson qui était là, je sais pas. Ah ouais? Mais, ouais, je suis sûre que c'est le même que j'ai vu qui. Ouais.
Ouais. Il y a un monsieur sur qui j'ai poigné le fixe à un moment donné dans un autobus. Voyons, c'est Samuel Jackson. Puis il s'est levé pour sortir. Puis il est venu me voir. Puis il m'a dit. Tu pensais que j'étais Oh, wow! Ouais. Mais okay, je pense que je suis pas la première, là, tu sais. Ouais, 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 il ressemble, c'est débile. C'est correct, les gars soient aware de ça. Non, c'est pas moi, tu sais. Mais c'était vraiment fucked up. Il y a plein d'affaires qui se sont passées. Je veux dire, il y a une madame qui me dit. J'ai dit, puis, parce que tu leur parles en adulte, t'es éternel quand même, parce qu'il y a des enfants, faut que tu sois weird, comme pas. Tu veux pas sortir du personnage. Hey, salut, tu sais. Puis là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que t'aimerais ça avoir pour Noël, tu sais. Puis là, elle me dit, de l'argent. Je suis comme, bon, OK. Non, mais elle dit, t'as-tu checké tes portes? Je dis, mes portes, non. Elle dit, ton concierge, il rentre chez vous, là, ça sent tes bobettes. Ça rentre chez vous, ça prend tes légumes. Hey, moi, là, je suis allé m'acheter le meilleur investissement, une caméra, là, je l'ai mis ça, installé ça, là, m'a le pogné, le sale. M'a le pogné. Tu penses que ton concierge, il va pas chez vous? Hey, moi, il rentre chez nous, là, elle est en psychose, la fille. Là, ah, mais ça peut être. Elle avait quel âge? Ben, c'est genre une fille de peut-être 35 ans. Oh, j'avais 25. Ok. Okay. Ok, je pensais au début que c'était un enfant. Je suis comme. Hein? Tabarnak. Ah ouais, Marco. Ouais, je te fous. C'est non, mais non. Oh, wow. J'avais déjà été faire de la recherche de financement à Plaza Côte des Neiges pour la soirée d'humour de Côte des Neiges, justement, là, dans le temps que c'était au Tabasco Bar avec Nicodette. Puis j'ai suivi un agent de sécurité parce qu'il m'a dit ben là, il faut que tu ailles dans un bureau en haut, il faut que tu passes par les ascenseurs. Puis. J'ai pris la photo, là, genre, je vous l'enverrai ou on le mettra sur la page du podcast, parce que ça vaut la peine. Là, pour les ascenseurs, les boutons, ils tenaient avec du tape. Puis c'était vraiment comme du plâtre. Puis tu voyais que, tu sais, il y avait comme patché le truc à boutons entre les deux cages d'ascenseur. Là. Ça tenait avec du tape et du plâtre. Puis là, le monsieur me dit si jamais tu restes pris entre deux étages, ouvre les portes, sors, puis continue à pied. Puis je mets. Continue à pied? Je peux juste pas prendre un escalier, genre. Puis, ouais, je suis restée pris entre le troisième et le quatrième, je pense. Puis, j'ai fallu que je sorte, puis. Oh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe dans quoi. Cage d'ascenseur? Je vous enverrai la photo. C'est même des mots, ça peut pas exprimer à quel point c'est broche à foin, cette place-là. J'avais jamais, jamais vu ça. Là. Même, ouais. Tu sais, quand la jambe m'a emmené d'un petit raccoin de Plaza Côte des Neiges. Tu vas voir mes proches un jour, là, c'était vraiment... Ouais, c'est glauque comme endroit. Fait que j'imagine faire le Père Noël, là, ça doit... C'est vraiment glauque, ouais, c'est ça. Ça doit être parfait. Mac, si t'es pris au pas, il t'escaladera, ouvre les portes, c'est correct. Ouais, c'est ça. Je te jure! Tabarnak, man! Tu m'en vas-tu, ça... genre, tomber comme dans les films? Ouais, c'est ça. Calé, ça n'a pas de crise de sens. Sinon, Marie, je t'ai entendu dire que ça a l'air qu'il y a bien du monde qui faisait des calls déplacés, genre des papas. Ben oui, un peu. Là, on avait un peu exagéré là aussi. Là. Moi, j'ai pas fait ça à la quand t'étais la fée des étoiles? Ouais. Ben il y en avait, là, tu sais, qui... Ouais, il y en avait, dans le fond. T'avais-tu un costume, tu sais, comme vraiment fée des étoiles, une robe moulante, avec des voiles, tout? OK. Non, mais je sais pas. Il y en a qui sont vraiment sexy, les fées des étoiles, là, tu sais, c'est trop. Mais non. T'es aussi en extérieur, en fait, tu sais. Ah ouais, c'est vrai. T'avais comme un manteau, là. Ah, oh, t'avais un manteau en plus! Tu faisais faire des calls? Oui, je me faisais faire des calls, ouais. Mais comme... Elle sert un peu à ça, finalement, la fée des étoiles. On dirait. Parce que c'est vrai que tu sais à quoi sert la fée des étoiles sur Internet. Elle sert juste à être belle, on dirait, puis à éclairer le chemin du Père Noël. Fait que, bien là, sûr! Mais c'est soit la moitié du monde, ils me regardaient même pas. Ils voyaient pas que j'étais là, dans le fond. Je faisais juste ouvrir la porte, la fermer. Puis les bien avec qui voulaient comme. Mais tu fais pas des calls dégueulasses de même à côté de tes enfants, là, c'est. Ouais. T'as un exemple de call qui était fait? Non. Mais il y en a un qui voulait s'asseoir sur moi. Oui, je peux non. Te dire. Il y en a un qui a dit moi j'aurais aimé mieux m'asseoir sur elle, tu sais, genre. Parce qu'on entend c'est très sexuel s'asseoir sur une fille, là. Ouais. Ça dépend où tu t'assois. Dans sa face. Ah, si tu veux pas manger. Sur sa baguette. Ah, peut-être, peut-être. Mais j'ai pas. Mais c'est un petit peu longtemps, j'ai plus les calls exacts. Là, mais tu sais, comme elle est pas mal belle, la fête des étoiles. Ah, ouais. Ah, c'est ma canne de Noël. Puis le pire, c'est faut que tu dises que le gars, tout le long de la file, il se pensait à ça. Il fait je vais dire ça, ça va être bon. Ah, ouais, ah ouais, il s'est préparé. Elle va tomber en amour. C'est
tombé en amour direct, tu sais. Mais même, ça pu marcher. Même les vieilles madames, ça aurait pu marcher. C'est le même qu'il l'a eu, JF. Ouais, t'es pas mal belle! Ça l'a dit, là. Moi, en voiture, j'ai klaxonné. Moi, j'attendais ce moment-là depuis toujours. Non, mais comment vous êtes rencontrés? En gros... Ben, c'est une longue histoire. En là. Gros, Jeff, c'est un trou de cul. Hein, avec non. Ses amis. Wow. Oui, c'est ça. Il a okay. volé. Non. Ah ouais? Un de mes on amis, veut savoir. Il y a un de mes amis qui m'a invité à un party chez elle. Puis dans ce temps-là, on faisait des cours d'écriture ensemble à l'école de l'humour. Je m'en vais chez elle. Mon ami se pose arriver éventuellement parce que lui, il voulait dater Marie-Pierre. Hein. Mais moi, je ne savais pas maintenant. Ouais, ça, il savait. Ben là, on savait un peu. Là. Non, mais moi, j'avais dit non. Là. J'avais ouais. dit. Anyway. Oui, là, moi, je m'en vais là, lui, il arrive pas, puis là, je me mets juste à jaser avec tout le monde, là. Isaac, lui, il trippe bien raide sur moi, tous ses amis. Wow! Une heure en bas, en faisant le Mexicain, ouais, pour me faire rire. Ouais, mais... Je voulais faire une... C'est drôle. Isaac voulait faire une joke, parce qu'on avait un sous-sol glauque. Fait qu'Isaac est descendu dans le sous-sol, puis s'est mis un sombrero, puis il attendait, comme s'il était... Pas. Ouais. Mais là, la face, c'est qu'on n'est jamais descendu. Ça a comme pris une heure. Je suis resté en bas pour faire ma joke. Pendant une heure. Wow, c'était ton fait patient. Attends, ouais. Ouais, imagine si ça n'aurait pas ri en plus, comment t'aurais été ça, déçu. Ça n'a pas ri. C'est drôle. Non, mais attends, c'est parce que tu m'as même pas vu. Il n'y a personne qui m'a vu au début. Là, j'étais... Ils ont passé, puis je fais... Tabarnak. Il n'y a personne qui me voit, genre, en plus. Gag de merde. Continue de faire le party là-bas, genre avec tout le monde. Mon ami finit par arriver. Puis après ça, moi je viens là, c'est comme l'heure de partir. Marie-Pierre qui se couche sur le sofa. Elle est comme, non, mais tu sais, tu pourrais rester. Elle me voulait, là. Elle me voulait, là. Ça sentait l'humidité. C'est-tu reviré, genre, sorry, bro? Non, puis après, non, mais. Puis après ça. Non, pas à toi, non, mais je vous disais à ton ami, genre, que tu disais qu'il est. Que lui, c'est dans ses plans. Genre. Ah, ben oui, c'est vrai. Il est arrivé quoi, Claude? Je me suis juste dit, parce qu'après ça, on a continué de s'écrire, on a continué de se voir. À un moment donné, j'ai dit, check, il se passe de quoi? Puis il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre? Ben, bah, parfait, il n'est pas fâché un peu, tant mieux. Une grosse perte? Non, mais on se parle encore. Puis... Ok. Ben oui, anyway, on se tend. Tu sais, le bro code, c'est pas genre, ah, ben elle, je la trouve belle. Ben ouais, ben gars, moi aussi, style. Ouais, que le meilleur gagne. C'est pas genre Chris, on était 8 ans ensemble, mais je trouve ça cheap, style que t'as faux. Ouais, là, c'est non, là. Non, c'est ça. Ben, après ça, moi, j'envoyais des messages à Marie-Pierre, Charles, dans la nuit, pendant qu'ils étaient ensemble. Je faisais juste dire le chum à Marie, c'est GF. Puis je répétais ça, genre, j'envoyais ça. Ouais, parce que nous, les deux, on croyait pas à l'amour. C'est ça notre sujet principal. Ouais, genre l'amour, c'est tellement de la merde. Puis on disait ça. Puis tout le monde autour de nous était comme, ouais, vous, y'a le Chris, vous êtes calme. Vous êtes juste amer. Mais en même temps, c'était-tu après au moment que t'avais ton booster pack, genre justement pour rencontrer du monde? Ouais, c'est vrai. C'est ah, fait que t'étais ouverte quand même. Oui, j'étais, ouais, ben. Non, j'avais pas aussi. Mais non, il n'y a pas de char. Je voulais surtout coucher avec des gars en boostant leur char, tu sais, mais. Lui, il n'y avait pas de char, fait que ça partait ouais, mal. Ça a un peu mal parti. Ouais, non, mais ça, c'est l'amour. Quand il n'y a pas de char, c'est. Mais surtout que, qu'est-ce qu'il est dans ce sort-là de booster des chars pour un gars, c'est que, tu sais, c'est juste des chars de marde qui partent pas l'hiver. Des chars comme le mien, là, tu sais, fait que comme. C'est un peu erroné, mais bon. Finalement, on est sortis ensemble. Mais c'est malade, Esti. T'étais amère envers l'amour, puis il t'a prouvé que ça existait. C'est 4 ans. Quand même, hein? T'es bon, man. C'est comment tu faisais, 4 ans? 4 ans. Non, mais pourquoi vous pouvez être fiers de ça? C'est pourquoi, à cette heure, les relations sont quand même éphémères en général. Puis le monde aime mieux, genre, quasiment passer à autre chose que de travailler sur quelque chose. Puis je pense que ça bâtit des liens plus solides, genre, tu sais. Quand t'es capable de passer au travers de genre, gars, cette semaine, ça va être l'hostie de merde. Cette semaine, je l'haïs. Cette semaine, si j'ai goût de crisser mon camp. La semaine prochaine, ça va être malade. On salue ta blonde. Non, mais je l'adore pour elle. Puis c'est la personne que j'aime le plus au monde. Ouais, ben nous, on reste surtout ensemble par paresse. T'attends plus de déménager. C'est ça. Par obligation, là, par sacrifice.
On est chanceux de ne pas trop se taper ses nerfs encore, là, mais ça fait pas longtemps là, qu'on habite ensemble. Mais c'est sûr que le confinement, ça, c'est un test là, pour les, ben, des couples. Ouais. Dans le fond, Isaac, t'es là pour ça. Toi, pour Isaac. Ouais, voilà. Ah, il est juste là pour te texter. Ah, c'est ton nouveau chum. Ouais. C'est pas le chum. Ouais, c'est Marie, ça. Je suis encore le chum de Marie. Le chum de Marie, c'est GM. Ah, c'est des fois, tu te réveilles en chantant ça. C'est drôle, ça me met en crise. J'étais vraiment un enfant, on dirait. J'ai pas, non, c'est pas mon chum. C'est cute. Ouais, c'est ça. Ça, tu sais, tout ça. Puis là, lui, il entend ça. Moi, j'avais honte, là. On croyait pas à l'amour, là. On croyait pas à l'amour, mais on faisait juste dire qu'il était en amour, tu sais, quand il était pas là. Mm-hmm. Ah, c'est malade. Ah, c'est cute. Sinon, ça j'aimerais ça faire aussi après non. Deux semaines. Je pense que ça va être fini! J'ai mal. Je chier, là. Ouais. On va assister à la séparation en direct. Ouais, bon, j'ai fait deux fois pendant la pandémie. Parce ah ouais? Que j'ai acheté un parasol. Et ça, je trouve ça l'air. Ah, ça, c'est un test pour un couple, c'est un parasol. Elle m'a dit genre la décoration du bureau. J'ai dit parfait, je veux un serpent. Elle a dit non. Fait que là, elle a dit c'est moi ou le serpent. J'ai dit ben c'est le serpent. Oh! Fait qu'on s'est laissé. Ouais, on s'est laissé. Dans le genre avant d'aller. Ah ouais, pour vrai? Ben, mais non. Non. Ils ont repris, c'est correct. On a repris juste pour aujourd'hui, en fait, pour vous parler. Ah, ok, ok. Tout est fake. Il y a de la tension ici. Oui, ouais, mais c'est parce que personne... Ben, en fait, Jeff est gay, c'est ça? Ouais. Il veut pas que le monde le sache parce que ça briserait le branding GHB. Ouais. Puis au bout du compte, tout le monde s'en crisserait, mais c'est juste Jeff qui pense que ça a de l'importance. Fait que moi, je suis un cover. Ouais. C'est un beau cover. Ça fait des étoiles, il est bien choisi. Ouais. Sinon, j'aimerais ça finir là-dessus. Genre... Mais attends, moi je veux savoir, il te demande si tu fais bien en fait des étoiles, des fois. Non, mais des fois, Isaac, il met sa perruque pour me faire plaisir. Est-ce que ça ferait bien une comédie musicale? Malade, il fait un Père Noël blond. C'est ça. Elle est belle, la perruque, par exemple, j'en cherche une dans ce genre-là. Ah oh, oui. C'est quand même cher, une perruque de même, hein? Mais oui. Ouais, mais moi, je fais de plus en plus de personnalité avec la gang des pile-poils. Là. Je me retrouve tout le temps avec des perruques et j'ai l'air d'un bonhomme Lego. Quand j'ai fait Catherine Dorion, là, j'étais supposée de faire Catherine Dorion en députée, comme habillée chic pis tout. Je me suis vue dans le miroir, j'avais l'air de Stephen Harper. Ça n'a aucun rapport avec Catherine Dorion. Mais c'est vrai, t'étais bonne aussi. Je sais pas si je t'avais donné des feedbacks, mais j'ai écouté justement, j'ai trouvé ça bon. Merci. Non, j'ai eu du fun. J'ai eu bien du fun. J'étais ta joué. Mère me l'a pas envoyé. Ouais, oui, elle m'envoie pas tes affaires. Ouais, faudrait que je monte, là. Faudrait que je l'envoie comme chez Louise là, pour apprendre un peu comment la promotion de ses enfants. Ouais, c'est ça. Ça arrive-tu que tes enfants fourrés, Isaac? Vraiment ça, ta question? Bon, ouais. C'est pour ça la perruque, il veut pas entendre. Je pense à rien depuis 3 mois. Ah ouais? Tabarnak. Ça te va bien, hein? Sérieux, là? Ouais. On dirait que je suis comme un rocker. Ouais, il y a quand même quelque chose. Ça ressemble à Vince Neil un peu. Je chanteur de Motley Crue. Ouais, je m'accorde quand même. Ça me fait penser au personnage de Pierre Verville, Jello. C'est pas Jello? C'est aussi quelque chose. Là, c'est mon âge qui parle. Là. Ouais, c'est ça. C'est Ronnie, la folle de Danny Turcotte. Ouais. C'est vrai. C'était la. Mais c'est vrai que tu looks comme Vince Neil, un peu avec. Qui est Vince Neil? C'est chanteur de Motley Crue, genre, mais. Okay. Dans le film de Motley Crue, c'est drôle, son enfant de genre 7 ans meurt du cancer. Ah ouais? On ne veut pas le dire. Ouais, ben c'est drôle. Non, mais c'est pas drôle, là, mais il pleure. Là, puis quand dans la scène qu'il pleure, c'est drôle. Ouais, ben, anyway, ce gars-là, il a tué. C'est sûr qu'après, horreur. Ouais, c'est ça. Mais ce gars-là, en plus, il a tué quelqu'un en char. Genre, il était sous. Il a bumpé un gars en char. Il l'a tué. Puis, vu que c'est Vince Neil, ben, il a fait 1 mois de prison, puis il est sorti. Sérieux? Ouais, il a tué quelqu'un sous en char. Il a fait 1 mois de prison. Ouais.
C'est, il n'y a pas une histoire de même aussi pour Halle Berry? Pendant un bout, on ne l'avait plus vue là, comme actrice. Elle était full populaire dans le début d'année 2000. Tu as quelqu'un? Ben, semblait-il qu'elle a frappé quelqu'un d'élite de fuite, mais je ne sais pas si la personne est morte, par exemple. Mais c'est le genre d'affaire qui a été étouffée. Là. Je ne me rappelle plus où j'avais vu ça. Gothica, c'est une folle. Gothica. Mais toi, dis-moi qu'il y a des passes. J'aurais aimé ça jouer dans Gothica. Oui, hein? Mais c'est le fun de jouer des folles. C'est... Ouais. C'est ta... Ah oui, mais... Surtout pas surjouer ma folle, là, tu sais. Hey, on avait fait un sketch ensemble de coups de foudre. J'ai pensé à ça, ouais, c'est vrai. Il y a aussi de Ouattatata. Ah oui, c'est là. Ben oui, c'est là qu'on s'est connus, c'est vrai. Tu faisais Stéphanie Couillard. Ouais. Mélanie Couillard. 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 Mais... Mais Isaac, t'avais pas, je pense que tu n'avais pas répondu pour la comédie. C'est quoi, mettons, genre, au pire, on va aller plus at large. Le meilleur film que tu as vu de ta vie, mettons, genre, ou top 3, mettons, genre, que tu considères. Ça peut être. Ah, oh, ben, puis tout le monde peut répondre, là, parce que clairement, tout le monde a le goût de répondre. Oui, c'est ça. Titanic 2. Oh. Ah, mais le Seigneur des Anneaux, pour de vrai, genre, ouais? Mon cœur à tout jamais. Ah, ouais. Ouais. J'aime ça, les trucs épiques, tu sais, aussi. Mais ouais, je pense que le Seigneur des Anneaux, pour de vrai, il viendrait en numéro un. Puis, t'es-tu ouais. Le genre de fan du Seigneur des Anneaux qui crache sur le Hobbit ou t'as aimé ça pareil? J'ai aimé ça pour revoir les personnages. Tu comprends? Tu sais, comme Audrey, mais c'était pas la même affaire, même c'est pas en tout cas. Le Seigneur des Anneaux? Eh oui. Il y a eu un jugement. Le jeu. Ouais, hein? Moi, mon top 3, ce que tout le monde veut le dire. Le courrier du cœur. Moi, c'est Série Noire. Pas un c'est film. C'est pas grave, c'est juste. C'est pas des films. Je m'en fous, c'est ça mon top 3. Tu comprends rien. C'est pas ça les règles, Marie-Pierre. Quoi? C'est pas les règles. Je suis plus les règles. Moi, les bougons. C'est pas plus les règles, tu sais. C'est les bougons, le film. Moi, c'est Plume la traverse. Oh, ça. Posez une question, vous pouvez répondre n'importe quoi. Vous pouvez y aller avec le bleu. Mm. Oh, oui. Le bleu et les journées ensoleillées. Attends, on parlait des films français tantôt. Là. Avez-vous vu? Oui, ouais. Ouais. Oui, c'est bon, ça. Ça va être tout noir! Ouais, c'est vrai que c'est drôle. Il y a beaucoup de films français drôles, quand même. Ouais. Aviez-vous vu le Paris? Non. C'est des deux gars qui essaient d'arrêter de fumer, là. Hey, si vous l'avez pas vu, hey, je vais te le prêter. Non, non, c'est bon, c'est vraiment bon. Je te jure. Mais là, faut-tu que j'arrête de fumer? Non, mais ça donne envie de fumer, ce film-là. Ah, si bon, tu fumes, tant mieux, tu vas te gâter. Là. Mais pour vrai, c'est un très bon film avec Didier Lucien. En tout cas, c'est du monde qu'on connaît que je me rappelle pas des noms. C'est un film français. Oui, c'est un film français. Ah, j'ai dit Didier Lucien. Non, excuse-moi, c'est vrai, Lucien Québec. Ah, oh, excuse, Xavier Lucien. Didier quelque chose, mais en tout cas, je vais essayer de te le sortir. Je t'enverrai la photo de la pochette, mais c'est vraiment un très, très bon film. C'est une des meilleures comédies que j'ai vues dans ma vie. Ah ouais? Oui, oh, ouais, c'est mourant. C'est deux beaux-frères qui s'aiment pas, qui se donnent le défi d'arrêter de fumer en même temps. Fait que déjà qu'ils s'aiment pas, ils s'endurent pas. Puis non, c'est des scènes mémorables dans ce film-là. Ouais, ça doit être très français, comédie française. Hein? C'est très, très, très français. Il y a aussi Le Derrière. Avez-vous vu Le Derrière? Non. C'est avec qui, ça? Valérie Lemercier. La pochette, on l'a. Je vais vous l'acheter. Ah ouais? Ouais, ça va être puis ça. C'est Le Derrière à Valérie Lemercier tout le long? Mais en fait, c'est une fille qui a jamais vu son père. C'est vraiment mauvais. C'est une fille qui a jamais vu son père. Puis là, elle a peur que son père est gay. Fait qu'elle décide de se déguiser en homme gay pour le retrouver. Fait que là, quand non, elle ça, c'est déjà, c'est très mauvais comme idée. Mais c'est un vieux film. Hey, oh, tu l'as en VHS en plus? Ouais. Le Courrier du cœur, là, c'est avec Charlie Sheen. Ah, oh, ouais. Ah, mais oui, mais c'est sûr que j'ai vu ça. J'ai vu la pochette, là, mais... Hey, Charlie Sheen, à l'époque où je le trouvais sexe. En fait, le personnage le plus drôle, là, c'est elle ici. Je sais pas si on voit la petite madame, là. À la rousse, là? Ouais, elle a 30 secondes dans le film, c'est juste pour elle qu'on est au téléphone. Ouais. C'est juste pour quoi? Juste pour elle. Parce qu'elle est juste comme drôle, mais ça dure 30 secondes, mais ça vaut la peine. Ah ouais, OK. Ouais. C'est un bon 30 secondes. Le pire, Charlie Sheen, man, j'ai réécouté son Rose qui date de peut-être 6-7 ans, mettons, max. Puis genre, pour un crackhead, pourrait de genre 50, Chris,
Il vieillit bien en tabarnak, là, on s'entend. Oui, c'est ça, mais je trouve tellement que c'est la personne qui a le plus mal vieilli. Ben quoi que Brendan Fraser, il s'en vient pas pire. Ouais, mais pour toutes les drogues qu'il a pris puis l'âge qu'il a pour elle, genre, c'est quand même pas si pire. Là. Mais il y a un assez de routine d'entraînement avant de faire du crap puis mourir du sida, là. Ouais. Il y a un genre de non, mais ben, un petit feu, là. Mais il y a une espèce de documentaire sur lui. Ouais, il y a le VIH, lui. Que, le, ouais, que chaque matin, il s'entraîne, il prend genre des gros saunas à la Loud Watcher pour tout évacuer les toxines. Ouais. Puis après ça, all right, ouais, héroïne time! C'est sûrement. Il s'est fait arrêter avec des putes, lui. Hein. C'est ça qui a, ouais, qui a comme signé son déclin d'acteur plus que le VIH. Je pense. Mais je pense qu'il n'y a pas des accusations d'avoir battu des femmes, genre. Hey, c'est de mieux en mieux. Il me semble. Il a arrêté avec un enfant. Il y a eu des agressions puis tout le lit. Ben sûrement là. Non, il prend du crack avec son café puis il était complètement défoncé. C'était comme l'acteur le plus payé des States pendant vraiment longtemps. C'est pas parce que j'imagine qu'il l'a échappé quelques fois. Aux dernières nouvelles, il faisait le Père Noël à la place de Courtney. C'est comme Brendan Fraser, lui, il s'est fait agresser. C'est pour ça qu'il a arrêté. Ah ouais. Ah ouais. Agressé comment? Un producteur, dans le fond. Mais voyons donc. Sexuellement? Oui. Ah, le tabarnak, il a l'air capable de se défendre? Non, mais je sais, mais qu'est-ce que je te dis? C'est ça qui t'est arrivé. Ouais, non. Mais je savais pas du tout. Il était plus jeune, puis il a fait plein de films par après, puis après, là, il a comme réalisé, dans le fond, qu'il s'est fait violer, tu sais. Puis il a comme tout sombré. Je sais même pas, mais c'est quand il était enfant? Mais pas enfant. La momie? Non. Ah, non, mais avant la momie, là. C'est quand il est un jeune acteur, maintenant. Ouais, ok. Ah, ok. Je pensais dernièrement, je suis comme. Ouais, moi aussi, je pensais que c'était comme. Le gars, fait genre 6 pieds 3, il a l'air costaud. Il est rendu comme déchu, là. Ça n'a pas de bon sens. Ah, ouais? Mais il pèse genre 400 livres. Puis... Ouais, non, il est méconnaissable maintenant. Non, non, c'est ça. Mais il a vraiment grosse dépression, puis tout, là. Ah, ouais. Ah, mais c'est d'une tristesse parce que, tu sais, sa carrière, à un moment donné, c'était vraiment. Aviez-vous vu l'intraterrestre? Non, oh, j'ai pas vu ça. C'était bon, ça c'en est un film que j'aimerais revoir. Là. Je trouve que c'est très actuel avec la pandémie. Ouais. Comme il s'enferme pendant un bout, puis il pense qu'il y a une bombe nucléaire, je pense, qui a éclaté. Ouais, puis finalement, il ressort. C'est la vision du monde, mais il s'est rien passé. Mais ah ouais. Ah, j'ai envie d'écouter plein de vieux films à cause de vous autres. Ouais, lui, genre Encino Man. Oui, l'homme d'Encino. C'est vrai, c'était Brendan Fraser aussi. Ouais, Pauly Shore, lui aussi, Pauly Shore, sa carrière. Non, mais Pauly Shore aussi, il a l'air d'avoir fait de la dope un peu. On s'entend. Je l'ai vu à Joe Rogan Experience. La belette, là. Je sais pas comment il faisait ça. En tout cas, je m'en risque. Je sais pas c'est quoi le bruit exact. Mais... Non, c'est quel acteur ou actrice que vous trouvez qu'elle a eu la pire fin de carrière? Robin Williams. Moi, je dirais Lucie Laurier. Oh, ouais. ça va pas. Elle aussi, d'après moi, elle a dû faire de la drogue ou bien elle a juste perdu le contrôle de son cerveau. Là. Je sais pas. Là, mais... mais hey, saviez-vous, il y a une rumeur que Céline Dion a boit du sang de bébé pour rester jeune. Ouais. C'est pour ça qu'elle prône les familles nombreuses. Exactement. Oh, wow. Ouais, mais ça va loin, là, les complots. Là, genre, mais tu sais, ils sont tout un clan. Là. Céline Dion, Justin Trudeau, Oprah. Bill Gates, sans doute. Ouais. Ben Laden. Ben Laden n'est pas mort, Esti. Non, il a été kidnappé. Il est rendu avec 3 scores. Ouais. Il y en a tellement, surtout moi, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit « George Floyd, il n'est pas vraiment mort aux États-Unis. » Ben là, pour vrai, là, sérieux, décroché. Non, c'est n'importe quoi. Qui te l'a dit en personne? Oui. Je n'aimerais pas la personne, mais moi, la COVID, ça a eu pour effet de vraiment me rendre compte qui fait partie de ma vie. Non, mais c'est pas toujours... Les reptiliens, tantôt, genre, il y a aussi comme la rumeur que la reine Elisabeth, c'est un serpent. À la fin genre de sa journée, elle enlève son kit de reine. C'est un serpent qui contrôle dans un sou. C'est donc bien n'importe quoi. C'est bien longtemps. Oui, mais les reptiliens, c'est une grosse conspiration qui existe depuis longtemps. Là. Ouais, mais il y a plein de gens qui sont Ça, là, excuse-moi, mais je serais prête à y croire pour Mark Zuckerberg.
Est-ce qu'il a l'air d'un reptile, cet homme-là, puis il a l'air inhabité, là, je sais pas, je le mettrais sur, une roche chauffée toute la journée, puis je suis sûr qu'il serait bien, là. Ouais. Surtout, on a vu le film Facebook, clairement, le gars, il a pas d'empathie puis d'émotion, là. Le gars, il part un site avec son chum, il crosse, aussi, puis il s'en calisse. Ah, c'est bizarre. J'avais entendu une rumeur, là, genre, j'entends quelqu'un qui parlait des théories du complot les plus weird, mettons, genre par rapport au COVID. Puis, il y en avait une, c'était le monde pensait que c'était une invention du gouvernement pour que le monde reste chez eux pour pouvoir recharger les batteries des oiseaux parce que les oiseaux seraient des robots. Ouais, fait que le COVID n'existerait pas. Ce serait juste pour être capable de recharger les batteries des oiseaux vu que c'est des robots. Fait qu'ils veulent juste que le monde reste chez eux pour pas qu'ils aient voix à faire. Lui, il est vraiment en cave, là. Parce que les oiseaux, on les recharge chaque nuit, genre. Mais non, c'est surtout Chris. Ça existe depuis, genre, toujours, Rusty, là. Mais c'est pas un dinosaure, ça? C'est quoi? Ben, ça dépend que c'est un dinosaure, là. Ils viennent de trouver un oiseau qui vole pendant 3 mois, je pense, non-stop. Ils savent pas comment il fait, s'il dort en volant, mais il se pose pas pendant plusieurs mois. Ils n'ont même pas besoin d'y crinquer, là. Ah ouais. Mais même mettons, genre, s'ils traversent un océan ou whatever, tu sais, ils peuvent pas dormir pendant, il y a nulle part où se percher, fait qu'ils sont obligés de rester. Donc, se laisser partout, je sais pas. Ouais, plus je pense, plus j'y adhère. Ouais, hein? Ils vont se poser ces bateaux. Non, peut-être. Ah, j'avoue, il doit y avoir des rochers, mais tiens, mettons dans l'océan, il n'y a probablement rien qui sort de l'eau à part justement des bateaux. Aussi. Ouais, mais ça. Les bateaux, s'ils vont à sens inverse, Chris, ils ont perdu leur journée en tabarnak. Là. C'est comme tabarnak. La grosse logique de Marco. C'est-tu la fille qui faisait le kayak là, entre le Québec et la France? Là? Ah oui. Ah, ouais. Peut-être qu'ils se sont posés sur elle. Peut-être. C'est vrai qu'il y a des baleines dans notre belle eau de Montréal. Elle l'a fait une fois, puis toutes les autres fois. C'est ça, Chris pourrait même ça. Cette fois-là, je l'imagine plein d'oiseaux. Elle est engagée pour qu'à chaque année, elle fasse la traversée, pour qu'à un moment précis, les oiseaux, genre. Ils peuvent être craqués. Mais techniquement, les oiseaux migrateurs, ils traversent pas l'océan. Les oiseaux qui sont dans l'océan, c'est ceux qui vivent là. Techniquement, c'est un robot. Mais essaye de parler dans l'eau, tu sais. Il va y avoir des courts-circuits si t'es un robot dans l'eau. Mais non, c'est pour ça que la fille en kayak est là. Elle a une grosse plateforme. Hey, le M de McDo, c'est pas un oiseau. Ouais, mais c'est une mouette. Ah, oh, c'est un oiseau. C'est les reptiliens. C'est un reptilien, la kayak girl. D'après moi, là, c'est McDo qui finance des bateaux à recrinquer les robots oiseaux. On est rendu loin, là. Ouais. Mais juste la fille en kayak pourrait, man, elle devait stresser. Tu sais, juste à mettre ça, s'il se met à pleuvoir vraiment beaucoup, là. Genre un orage. Mais elle, je pense qu'elle s'est suivie par des bateaux, non? Non. Ben oui. Même pas. C'est sûr qu'il y avait un bateau qui a suivi. C'est sûr qu'elle était suivie, sinon, mais moi aussi, là, traverser ça en kayak. Si personne ne m'a suivi, personne ne m'a vu, tu peux me dire n'importe quoi comme niaise. Attendez. Non, il y a des choses. D'un coup, elle s'évanouit, d'un coup, elle meurt, d'un coup, il y a des sauvetages. Là. Tu peux faire ça de même. Il faut des permis pour avoir faut suivre des cours pour aller en kayak à quelque part et avoir les chemins. Ben, prendre Google Maps. Non, tu l'as pas. Je sais, tu l'as pas. C'est eux qui font du kayak dans la mer, là même, là. Ben, ça, tu peux te faire des chemins spéciaux. Tu peux te faire manger par un requin. Ben, ça, pire chose. Ouais. Mais juste son kayak, c'est rempli d'eau, aussi, elle coule. Débat. Gros débat. Ouais. On dirait des discussions de stoner en ce moment. Mais on est quand même, on se bat le 4. Ah ouais. Mais sinon, j'aimerais ça finir avec ces questions-là. Je sais qu'en ce moment, c'est. Il y a moins de spectacles qui se passent, mais vous rappelez-vous, mettons, d'un moment que soit c'est super mal allé, soit que vous avez assisté à de quoi de vraiment weird, genre sur scène, genre, tu sais, un bout que c'était bizarre, puis que le public n'était pas dedans. Là. Oh, Isaac, y a de quoi, hein? Pour moi, hein? Non. Donc pour nous, on a vu quelque chose. Ça peut être les deux, ça peut être les deux. Ce qui devient. On a vu. Je sais pas si c'est en tout cas. Me lance. Ouais, vas-y. Il y a personne qui écoute ça, nous. C'est genre de l'art abstrait, OK? Puis là, à un moment donné, genre, nous, on faisait en plus Carole et Manon dans cette soirée-là.
Puis, tu sais, c'était comme... En tout cas, il y avait une thématique X. Puis là, il y a juste quelqu'un, à un moment donné, elle commence à faire comme deux lignes de monologue. Puis après ça, elle fait... Ah! Elle commence à crier. Puis elle a pogné des assiettes. Puis elle s'en va les péter dans la rue, genre, pendant que le... Mais non! À côté du poste de police. À côté du poste de police. Puis elle fait juste... Ah! En criant. Puis elle pète des assiettes. Pendant genre 15 minutes. Là, tout le monde est en dedans. Parce que... On savait pas, Chris, que ça allait se pitcher dans le rire en pétant des assiettes. Fait que c'était... Je sais pas ce que ça représentait, vraiment. C'était quoi? C'était l'auto-sabotage. Sabotage. L'auto-sabotage, auto-sabotage, auto-sabotage. Ouais, je me sabote, tu te sabotes, il se sabote. Ah! C'est comme une performance. Mais voyons! Il est sorti de stage, genre, à penser que le monde... On l'a tout suivi dehors. Ouais. Puis la... Hey, c'était-tu payé, ça? Y avait-tu des cachets? Non. C'était pas payé. J'avais invité Charles Deschamps aussi à ce show-là. Il a dit poignée de quoi? Il a aimé ça? Ouais, ça, c'était vraiment weird. C'était vraiment weird. Tu savais pas que... En plus, puis nous, après ça, genre, « Hey, salut les chums! » C'est Carole et Manon qui arrivent. Là, oh, tabarnak! On se sabote dans la rue! On violait l'enfant, mon. Ouais, genre... C'était comme vraiment pas... Ça avait pas rapport. Après ça, qu'ils se sont réunis en conseil de ville pour savoir pourquoi ils investissaient de l'argent là-dedans. Mais... Voyons! En montant sur ça, n'avez-vous accusé le fait, justement, que genre, elle pétait des assiettes dans la rue? Genre? Non. Même pas, mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a un char qui est passé, genre, qui... c'est une rue qui est passante. C'est Rachel, le projet poste de police. Fait que là, l'auto, elle veut passer, mais la fille, elle pitch des assiettes, tu sais, à terre. Personne n'a ramassé, me semble. Je sais pas. Ça a juste fait que... Ah! Oh, pourquoi... Okay. Après, nous, il faut passer après ça, tu sais. Mais c'était difficile à côté, mettons. Ouais, c'était difficile. J'avoue. Peut-être plus remettre l'ambiance dans la place. Ça va être dur, là, mais à côté, c'est assez facile. Non, mais non, parce que les gens... Non, parce que c'était plus nous qui n'avions pas rapport là. Parce que les gens qui étaient là voulaient voir ça. L'art performatif. Oui, 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 comme une biennale, tu sais, le genre de truc. Ça veut dire de quoi, puis tout, mais. Ouais, mais faut que tu cherches. Ouais. Ouais. Mm. T'es comme. Hein, Carole et Manon, chante la. Ça vous a-tu stressé avant d'embarquer sur scène? Mettons, genre, j'imagine votre vie. Hey, on s'en colissait. Mais surtout à ce moment-là, on dirait qu'à un moment dans la vie, je m'en colissais vraiment. C'est dommage que ce soit pas en ce moment, là, mais. Ouais. On s'en crissait. C'est comme « Fuck you tout le monde, même si vous ne trouvez pas bon, tu sais. » Ah ouais? Mais plus là, j'aimerais ça avoir cette confiance-là, mais là... Mais on, dans le fond, tu sais, c'était comme des petits shows mensuels, puis nous, c'était vraiment pour avoir nos points IDA. Puis on essayait des affaires, puis on se disait, en même temps, c'était comme une plateforme de création. Pour de vrai, ça a été... Carole et Manon ne seraient pas nés de... Si ça n'avait pas été notre ascension dans toutes les salons. C'était vraiment ascension. C'était vraiment ouais, c'est vrai, notre vraie ascension dans les salons. Si ça n'avait pas été. Si ça n'avait pas été. Un jour, je dirais ça en entrevue. Genre, je vois ma carrière au salon de thé et mon ascension en Carole et Manon. En plus, ça, on était sous, hein? On était tout le temps sous. Peut-être sûr qu'on s'en crissait aussi, là? Oh, ouais, c'est sûr, ça aide. Tu commandais un litre de vin blanc cheap, là. Pis... Oui, on saoulait avant, tu sais, c'est ça. Non, c'est ça. C'est un gros moment. Fait que si c'était en crise, c'était sous, tu sais. Ah, c'est ça. Ben, écoutez, merci beaucoup, Marie-Pierre et Isaac, d'être venus avec nous autres. Dans le fond, avez-vous des trucs à plugger, votre page Facebook, peut-être? Ma page d'ascension. Oui. Le salon de thé. Le salon de thé. Le chevalier du thé. Vous pouvez suivre mes réseaux sociaux, Isaac, Bélanger, Le Bœuf, sur Facebook, Instagram. Je suis partout. Ouais, si vous êtes au courant, sa mère peut vous ouais, envoyer ouais. Ou sinon, le dossier de presse. Suivez la page Facebook de Louise Le Bœuf. Mais c'est quoi déjà le nom de l'émission? Excuse, parce que moi, je sais que j'ai une mémoire de merde. Fait que j'imagine que je suis pas le seul là-dedans. Fait que si c'est bon, tu vas l'écouter. Ça s'appelle Où est Lucie? Et c'est en lien avec le 422. Vous pouvez aller voir ça sur télequebec.com. Ouais. Moi, vous pouvez suivre ma page Facebook où il se passe pas grand-chose, Marie-Pierre Simard, ou mon Instagram, Peter Simard. Peter Simard? Oui, parce que je voulais m'appeler Peter Simard. Mais... C'est cool. Ah ouais, merci. C'est bon. Moi, ça me fait rire. Ça, c'est drôle. Moi, je veux dire, c'est drôle, mais... Oui, c'est drôle. Merci. Oh, ouais. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis, bonne semaine. Hey, ciao. Merci. Je cherche le bouton arrêter.